J'ai déjà foutu rien t'apporter. J'ai vu mon âme se faire absorber par les lumières de Paname, la pétasse de Gucci. Elle n'est pas de prêt à porter. Petit, j'ai vite appris que gentil rime avec ralenti qui m'en dit. Mon désir plus rempli de zombies. Les frères, ça deck. En direct, au local, en règle Diggy. Ça deck gnome. Gnome. Comment ça va, les gars? Là, c'est le chat. Enfin, les gars, enfin. Vous venez de fumer comme un saumon, mais c'est du net de vue, ma couille. Ça va ou quoi, les frères? Bien, tranquille, tranquille. Ça va, on vous a pas trop fait attendre. On est à l'heure. Mais c'est impossible de lire, là. Ouais. Si, moi, j'arrive, moi. Ah ouais? Ouais. Impossible. Le bon vieux James Patrick, là, j'ai vu. Aïe, aïe, aïe. Ça va ou quoi, les frères? Bien, tranquille, bien, tranquille. Nom d'un pirate des Caraïbes orientales. Donc, les frères... Ah, t'es fou, on dirait... Eh, là, quand tu regardes comme ça, on dirait on est dans le vaisseau. Ouais, avec tous les écrans. Ouais, de ouf. Ouais. Oh, on est équipé. Ah, de non ouf. Ça donne envie de lancer que des parties de poker, là, sur tous les écrans en même temps. Se buter. Ah, ça dit quoi, les frères? Bien, tranquille. Donc, les gars, comme d'habitude, hein, comme je répète à chacun invité. Ouais. On prépare rien, y a pas de programme. Mais ça, ça va être lourd. On le sait, on va passer une bonne soirée. Parler de tout et de rien. Savoir apprendre sur toi. D'une différente manière, vu que là, t'as vu, c'est du direct et que t'es pas face à des journalistes. Donc là, on va rigoler. On va dahak. On va dahak, forcément. Déjà, ça fait combien de temps que t'es pas apparu sur... En live and direct Ou même une vidéo, un truc, interview, tout ça. Interview, ouais, ça fait longtemps. Hein. Ça va faire 2-3 ans maintenant. J'ai l'honneur de... d'avoir le premier retour. Oh, bien, honneur partagé. Je suis venu pour toi aussi, ma petite gueule. Merci. Ah, boule dessus. Je suis venu pour me régaler avec toi. On va se régaler. Ah ouais. C'est mon avatar. T'es fou, je rentre dans son corps, je vais faire des dingueries. C'est mon avatar. C'est mon Bitmoji. Mais Tu sais quoi, c'est impossible de lire. Tu l'as vu ce truc là, tu sais, de l'homme qui lit le plus vite au monde là? Ah, il tourne les pages. Ouais. Moi j'arrive. En fait, tu vois, parce qu'à peu près ils écrivent la même chose, tu vois. Et après un moment ça va se calmer, parce que les gens ils vont écrire des questions, des trucs. Ouais. Et tu penses qu'il est possible de construire une discussion construite autour de sujets d'actualité? Ouais. Enfin, d'avoir un débat établi et de faire avancer la société moderne. On est dans la maturité totale. On est instruit, on peut discuter de tout. Tout dépend du sujet. Après, vas-y. C'est le Twitch de la maturité, on peut le dire. C'est ça, après. Des fois, moi, je suis pas calé, tu vois. Quand ça part trop dans le technique ou trop dans... Ouais, mais j'ai vu t'as un afrit aussi, parce que tu m'as dit, regarde le live avec H et Saga Zaga Mizigi Zigi. Elle est très compliquée, celle-là. Faut mélanger le gueu et le zeu du 9-2 et du 9-3. Mmh. Et j'attendais pas le happening avec les danseuses abstraites. Ça, c'est lui. C'est lui qui a fait ça. Non, même pas. Ouais, c'est pour moi, c'est pas moi. Quoi, t'en as pensé quoi? Hein? T'en as pensé quoi? Ah, j'ai trouvé ça divertissant. Ça, c'est aussi... Petite blague. Est-ce que elles ont apprécié ce moment? Moi, ouais, je pense. Parce que Saza est très prude. Oui, ouais. Lui, dès qu'ils sont arrivés, c'est levé direct. Ah non, il a un sixième sens. T'as vu le acquis de l'observation? Je sais pas comment il a senti, mais il s'est barré à 4 secondes. 4 secondes avant, il a senti, je crois, il a entendu. Ah, c'est l'instinct des grands attaquants. Il a créé le décalage. Il a créé le décalage. Ouais, c'est ça. Après, toi, on t'a pas préparé de surprise, je veux savoir. Ouais. Non. Je te fais confiance. Tu voulais? Arrête peut-être. Hein? Tu voulais? Bah j'apprécie, ouais. Fais rentrer un clown tout nu, fais boubal. Non mais j'ai... Il y a une surprise. Oh le plague. El narcotrafigante. Du coup, là, aujourd'hui t'as fait une grosse annonce. Ouais. Enfin une annonce de suite. En fait j'ai fait un album là qui s'appelait Changement de propriétaire que j'ai sorti début d'année. Et dans la foulée, comme ça faisait longtemps que j'avais pas proposé de musique et tout, et j'avais accumulé plein de morceaux qui allaient dans plein de directions artistiques différentes. Et je me disais, tiens, celui-là, il colle pas avec ça et trucs, etc. J'essaye de voir mes albums un peu, entre guillemets, comme des films, dans le sens où dans un film d'action, tu vas pas mettre une scène galerie qui n'a aucun sens et trucs. J'essaye de leur donner vraiment un fil. Et donc, j'ai fait Changement de propriétaire au début de l'année. Là, j'ai un autre album qui s'appelle Ouvert tout l'été, qui est un peu une suite.
mais plus gaulerie dans un autre univers. Et après, j'ai Nick le Casino 2, qui est un album que j'essaye de scénariser au possible pour donner une histoire dedans et de le penser un peu comme les séries auditives, les podcasts que tu vois un peu sur Spotify, les trucs. Même dans Ouvert tout l'été, j'ai commencé un peu ces trucs-là, à mettre des ambiances sonores, des trucs, passer de morceau en morceau. J'aime bien ce truc-là. Parce que c'est trop intelligent pour nous, frère. Non, c'est pas ça, mais en vrai de vrai, quand tu regardes dans la musique aujourd'hui, il y a tellement un flux de morceaux qui sortent que sortir un long format, il faut aussi avoir la force de proposition, de ramener un truc à proposer au public. Qu'est-ce qui va faire que tu vas t'intéresser sur un projet sur 15 titres ou trucs ou quoi, à part si t'es méga fan du mec et que même si demain il pisse dans un violon, tu iras streamer, et c'est compréhensible aussi, parce qu'il a un certain drip, ça peut aussi arriver, mais... Mais moi, je pense que j'en suis pas là, donc j'essaye de proposer des trucs intéressants pour les gens qui me suivent. Non, c'est propre. Et t'as une date à peu près ou pas du tout? Le 16 juin, ma couille. Le 16 juin. Ouais. Il y a des mots à éviter, mais du coup, on peut pas les dire. Ouais, non, il y a des mots. Des mots subtils. Je les écris. Attends, on fait une petite pause. Je les écris. Au cas où. Attends, je les écris. Faites pas les malins dans le chat, hein. Il y a des modos, c'est des snipers. Vous allez sortir un mot bizarre, ça va direct. Vous allez finir au tribunal des bannis, là. Ah, je commence à suivre un petit peu. Ouais, t'es branché. T'es branché, hein. Attends, t'es branché. Mais qu'est-ce que tu crois, je sais où je mets les pieds? Hein? Tu as un lit tout. Ok. Ok, d'accord. Même la phrase en dessous. Bon, c'est carré. Ouais, tout est bon, tout est carré. Hop là. Elle est où la rouge? Elle est où la noire? Impeccable. Du coup... Moi, je voulais revenir sur un truc, moi. Ouais. Parce que je l'avais regardé en direct, je m'en rappelle. C'est le coup de com, là. Avec la photo. Ouais. Ça, c'est une dinguerie. Toi, t'en as pensé quoi quand tu l'as vu? J'étais choqué. Parce qu'en gros, j'ai vu la photo. Tu prends pas mal. Non. J'y ai cru. J'ai dit, ouais, la photo, elle a fuité. Dans un moment, je sais pas, au réveil. T'as capté? J'ai dit, ouais, la photo, elle est réelle. On a eu un mini débat. Et après, on était en live. On était en live, et j'étais en live, tu vois, et t'avais annoncé live YouTube, ouais. Et j'étais en live. Ça veut dire, après, y a un mec qui dit, ouais, te rappelles la photo de ça, le truc, ça, dès qu'elle dit live, ben regarde. Et ça veut dire que j'ai regardé en live. Ah, franchement, c'est... Et ça veut dire que j'ai vu le truc en direct. Ça veut dire que j'attendais, il y avait le décompte et tout, tu vois, le truc, là, l'avant-première YouTube, là. C'est quoi qui me fait délirer, rien à voir? Un des trucs que je consomme le plus sur YouTube s'appelle Top Notch Idiots. C'est des mecs qui font des pranks, des quinries. Un groupe de Los Angeles, et ils vont, t'as vu Zarma dans les quartiers chauds, LA, trucs, etc. Et ils font des pranks, des trucs. François Damiens, tout ça, t'as vu, moi, c'est ça mes rappeurs à moi. Les pranks, les trucs, c'est ce que je kiffe de ouf. C'est-à-dire que au moment où j'ai vu que ça avait pris, j'ai eu un truc de kiff. Au-delà du coup de com', de trucs, quoi, c'est juste la satisfaction personnelle de je vous ai bien eu, tu vois. Et en même temps, c'est marrant parce que il y a un truc que j'oserais jamais faire. Parce que je trouve ça trop malsain, c'est de simuler sa mort. Ouais, ça. Mais ouais. Tout le monde a aussi envie de... Ouais, bien sûr. Après, ils ont pas d'ombre, tu vois. Y a qui a fait ça? Qui a simulé sa mort? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Si, hein. Ça doit être des stars du bled ou quoi, ils sont capables de faire ça. Ah, ma abonné, je suis là maintenant. Hein? Maintenant, vous m'aimez? Je suis là, aimez-moi vivant. Mais je crois qu'il n'y a pas trop, Hein? On devrait, je crois pas. Jamais. Je suis sûr. Là, non, il y a des théories. Il y a un Google qui traîne, c'est sûr, on peut regarder. Ouais. On trouve. Star, simulation, mort. Ouais. Après, tu vas trouver que Tupac, il habite à Cuba. Et... Les théories du complot. Dans ce paquet. Mais dans un truc comme ça, c'était aussi agréable de voir comment les gens ils peuvent se réjouir. En même temps, ça a été surprenant de voir qu'il y avait autant de gens aussi qui n'étaient pas contents d'imaginer que je pouvais être dans un tel état. Ah, ça t'a fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que t'as du soutien. Bah ouais. Ça serait chelou de voir que t'as des gens qui te soutiennent et tu te dis « Ah putain, je vous pisse dessus aussi. » Mais comme ça m'a pas non plus énervé ou fait quelque chose de voir qu'il y avait des gens qui se réjouissaient. Parce que c'était pas mon état. Et au final, si on tient tous une ligne de conduite, c'est parce que au fond de nous, on veut pas laisser aux gens le plaisir de se dire qu'ils avaient raison sur ce qu'ils auraient pu penser de nous. Et puis on a beaucoup traité ce truc-là de folie aussi, tu vois. Ah rigole, ma couille. Ah, je t'ai vu dans le vautour. C'est salope. Fais le bonhomme un peu là. Regardez le chat. Oh le nez, ma gueule, le nez. Non, mais pour ceux qui savent pas de quoi on parle,
peut-être si son année, ils n'ont pas suivi. C'est qu'en gros, une, un jour, il y avait une photo qui a fuité de sa deck, grosse touffe, grosse barbe, éméché. Ou... Ouais. C'est ça. Un regard ahurissant. Un regard vide. Ouais. Non, un regard vide. Ah, un regard vide. Ouais, c'est ça. Ah, je l'ai vidé le regard. Ouais, ouais. Mais, non, t'es bon acteur. Hein. Mais on va revenir dessus. Putain, je suis chaud. On dirait pas que je suis journaliste. Parce que je t'ai dit quoi au téléphone? Parce que t'es un rappeur, j'ai beaucoup flingué. Ça veut dire que là, je vais être chaud aujourd'hui. Hein. S'ils me vannent tout le temps. Ils me disent, ouais, tu parles pas trop, t'es perdu dans les sujets. Non, moi, je sais pas. Non, mais oui. Non, mais certains sujets, en gros, parce que des fois, il y a des, que... enfin, y a des mecs qui vont passer dans la soirée, genre un beatmaker, des mecs plus techniques et tout. Okay. Et quand ça parle trop technique, moi, je suis là comme ça, debout, tu vois. Après, mais... parce que tu t'inventes pas une vie aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas mettre de costume trop grand. Et moi, il y a un truc aussi, quand on... t'as vu, je t'ai dit, viens, on s'appelle quand même, et truc. Je voulais pas niquer la dynamique du truc, c'est-à-dire je t'ai dit viens, on prépare rien, on prépare rien, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, on suit, c'est comme ça, c'est ton contenu à toi, ma couille. Ouais, c'est ça. Parce que ouais, on s'est appelé tout ça, pour savoir comment. Moi je dis bah y'a rien. Y'a rien. Un minimum. Pro, c'est normal. Mais c'est du coup, ouais, je disais les gars. Pas. Elle est en régime là. Ouais, elle a pris 12 kilos en une semaine. C'est la merde là, cette tech. Tu veux que je t'aide? C'est quoi t'as... Comment t'as fait? Moi je te mens pas. De base, j'ai eu un souci. Un souci. En fait, t'as vu, j'ai eu une saloperie dans l'estomac, ouais, qui m'a creusé les tissus de l'estomac et qui fait que la nourriture est passée dans les organes. Donc j'ai été hospitalisé en Espagne. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, bon, on va en profiter. Ok, genre c'était un, genre un... J'ai pas eu le choix, ma couille. Ouais. J'ai pas eu le choix. C'est-à-dire qu'après, je me suis dit, quoi, tiens, dans un mal, il y a toujours un bien. Ouais. On va en profiter pour se ressaisir. Donc il faut que je te fasse bouffer la même dégueulasserie que moi, que tu chopes un parasite, ça creuse des tissus, on va éviter le pire, compte un pub. On va éviter le pire. Non, t'es bien. Je recommence dès maintenant. Gros. Ouais, je comprends. On va éviter le pire. T'as quel âge là? 23. Boah, profite, laisse-le s'amuser. Ah, je me suis assez amusé. Moi, il fait ce qu'il veut. Moi, je me suis assez amusé. Tu penses? Ouais. Mais regarde, t'as vu, c'est... En fait, c'est quoi le problème? C'est que tu as les trois canapés. Voilà, c'est pas une blague. Oh. Hein. Les trois canapés, ils avaient des pieds. Il ouais. Y a qu'une seule personne qui les a cassés, les trois, ouais. En direct. Heureusement, on a la caméra depuis le mois là de stream. C'est lui. Il y en a deux, c'est pas ma faute complètement. Il y en a non, un. Non. C'est moi, je l'ai. Non, déjà, je vais te dire un truc. Ce qu'il est en train de faire, c'est de la grossophobie. Non, non, non. Totalement d'accord. Non. Et en tant que OG OBZ, c'est-à-dire en OG obèse, le problème, c'est pas toi, Marquis, c'est les canapés. C'est ça, c'est ça. Ils sont mal faits. Et le problème aussi, c'est le chat qui ne suit pas assez. Parce que si vous subiez assez. Hein, ça serait du Marina Home partout là. Ça serait du canapé en peau de saumon là. Ouais, c'est et, là vrai. Et là, on n'en parlerait plus. C'est vrai. Tu vois, ils veulent te faire culpabiliser. C'est comme ça. C'est incroyable. Ça te forge. Et ouais. Non, mais du coup, ouais. Pour revenir. Ah, là, t'es refait. Hein. T'as ton avocat. Oh, je suis ton meilleur soutien. Là, je le prends. On a pris mal en patience. Je le prends en pro bono. Comme ils disent dans Suits. Tu connais cette série, Suits? No. Vous connaissez pas cette série? C'est pas la Suits. Série avec les avocats? Ah, c'est Suits. Non, je l'ai. T'es une légende. Je l'ai. T'es une légende. On a une série en commun. C'est quoi? Gomorra. Ouais, Gomorra, tu sais, c'est quoi qui est l'ancienne Gomorra? Frère, l'air... T'as regardé? J'ai regardé la saison 1. J'ai pas fini. T'es un queue d'un. Que la saison 1? Ouais, que la saison 1. Mais non, j'ai kiffé. T'as raté, il a raté, il a raté. T'as tout fini? Tout. Après, vas-y, Belek, il y a des gens qui regardent, on va pas spoil, mais. Ouais, on va pas spoil, ouais. Ton personnage préféré? Moi, c'est le dinosaure qui arrive au milieu de Second Iliano, tu vois, avec l'attaque de zombies. Quand Gennaro, il est pris dans les flammes, ouais. Et tu sais, il y a un dinosaure qui vient, qui crève le toit. Et là, il y a des zombies qui commencent à... Gomo, là, tu parles de Gomo. Ouais. On a dit on spoil pas. Après, j'ai pas... On a dit on spoil pas. J'allais suivre la blague, j'ai dinguerie. Non, mais... Non, t'es fou, spoil pas. Non, mais juste ton personnage préféré. Mon personnage préféré, franchement, c'est Gennaro. Ah ouais. Ouais. Moi, du peu que j'ai regardé, c'était Don plus... Pietro, moi. Hein? Don Pietro. Moi, je suis plus Gennaro, moi. La phase de la boîte de nuit? Ouais. Alors, on tirera de ouf. Mm. Mais dans ce cas-là, t'es obligé d'aimer Chiro à ce moment-là parce que. Ouais. Il sait qu'il est sans, il va le faire. À partir du moment où il a accepté ça, il sait qu'il va le faire. Là, sur le moment, il est pris au piège, il a capitulé, mais il sait qu'il va le faire. Alors qu'au début, tu vois, sans spoil, mais t'as vu au début comment il est, après, c'est une dinguerie. Sur qui? Sur Gennaro? Ouais. C'est où tu mais vois, il est trop tous. Fort. Et t'as regardé le film Immortalé qu'ils ont fait à côté? Non. Pff, ils ont fait un film de taré, de ouf. Un film sur la vie de Chiro, quand tu le vois quand il est petit et tout. Et je crois qu'il y a même une saison où même Chiro, il se barre ailleurs et tout. Non, c'est un délire, Gomorra. Même ce qui me rend ouf dedans, c'est vraiment, hein, sans faire le... Tu vois, comme tu dis, toi, tu fais pas le beatmaker et tout. Moi non plus, je fais pas le...
mais j'aime bien comment c'est filmé, juste l'image, comment elle ressort. T'es acteur. Non, je suis pas acteur, c'est pas parce que j'ai fait deux trois films. Avec Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, c'est un acteur, c'est une grande carrière, c'est un génie, c'est un truc. Moi, j'ai eu la chance d'être là au bon moment et truc, et voilà. J'aimerais bien être acteur, mais je me considère pas comme. Mais à quel moment on devient acteur, du coup? Pour toi? Ah, je sais pas, c'est compliqué à dire. Ouais, tu vas me dire à partir du moment où tu fais des films. Pour moi, c'est à partir de là. Ouais, pour moi, à partir du moment où. Grosse production, gros film. Ouais, mais j'ai l'impression aussi quand tu les prends comme. Il y avait la musique, désolé les gars, je savais pas qu'il y avait la musique, on l'avait pas nous, désolé. Ah, il y avait la musique. Ouais, il y avait un petit fond, mais je savais pas. Ah, désolé les gars. Non, c'est pas grave, ils nous entendaient quand même. Mais en même temps, comme depuis tout à l'heure, ce qu'on essaye de dire, il y a de l'émotion un peu dedans, peut-être il faut mettre la musique des violons là pour finir sur les pages de motivation. Change ta vie, Marquis. Deviens quelqu'un. Avec la petite. Tu veux faire 50 millions d'euros la minute. Tu sais, moi, il y a qui dans la série que j'ai kiffé? Tu te rappelles, on parlait de GTA tout à l'heure. Ouais. T'incarnes des personnages. Bah, mon premier personnage, il s'est appelé Otrak. Otrak. Les jeunes qui viennent et qui baissent. La ruelle. Ils respectent pas les anciens. La rue, d'ailleurs, très inspiré de la ruelle. La ruelle. C'est pas la. Ouais, il y a les anciens. Ça. Et il y a eux, ils sont plus déterminés. Ils niquent tout. Ouais. Incroyable. C'est quoi, ça s'attire? Ouais, c'est ça. Incroyable. Non, cette série, c'est trop. Après, il y a une. Bon, c'est Gomorra Douish. Subura. J'ai jamais regardé. Ouais, bah ça vaut pas le coup. Tu sais, c'est quoi le seul truc qui m'a eu comme ça, et c'est incroyable parce que c'est l'original de ça, tu vas comprendre. T'as vu, je regarde Game of Thrones, je regarde pas Viking. Comprends ce que tu veux comprendre dedans. T'as raté. Ça deck. Oh là, t'as raté. Non, je te dis la vérité. J'aime Game of Thrones. Je te jure, je capte Viking. C'est pas le même délire. Je sais pas comment ils disent quand tu regardes une série, mais tu la regardes pas. C'est-à-dire, Ragnar, truc, je connais, t'as capté. Mais c'est pas Zarma, je suis devant, taisez-vous. Game of Thrones, ouais, c'est un événement. À chaque fois qu'il y a un épisode, je veux voir comment lui va canner, truc, ça m'intéresse fortement. Walking Dead, pareil, ça m'a intéressé fort. Et Walking Dead, ça m'a tellement intéressé, je peux pas regarder The Last of Us. Je préfère les zombies que les autres avec les champignons qui leur sortent dans la bouche, le truc, j'arrive, hop. Et la seule truc original qu'à moi, ce qui m'a fait, et là, t'as vu, ça va être subversif de ouf, je préfère le Pepsi que le Coca. Bon, ça, c'est plus compréhensible. C'est un sponsor, Ring. Ah ouais. Non, je te dis, ben non, j'ai Pepsi. Aucun intérêt. Les deux, pour les deux, je suis persona non grata, comme on dit dans Gomorra. Hey, gros, voilà, je kifferais être dans ta situation où j'ai jamais regardé Viking. Parce que moi, mon personnage préféré, c'est pas Ragnar. Hein. Et tous les mecs que j'ai reçus, à chaque fois, je leur dis c'est quoi, c'est désossé. En général, Ivar, tout le monde sait Ivar. Ivar, j'ai vu 2-3 épisodes. C'est une dinguerie, Ivar. Où j'ai focus sur Ivar et je les ai regardés parce que c'était la télé. Ça passait sur Canal et Canal, ça passait, ça m'a attrapé, ouais, ça m'a intéressé, le désossé. Il est en mode méchant. Parce que moi, je kiffe les personnages méchants. Ouais, bah oui, cruel. On aime tout ça. D'ailleurs, c'est qui votre personnage le plus cruel de toutes les séries? De toutes les séries? Ouais. Oui. Tous, les Negan. Après, j'ai pas regardé, moi, Walking Dead. On a quand même des séries en commun. Ouais. Moi, je pense Cersei. Hein. Cersei, elle en carrière de fou. Hein. C'est qui Cersei? T'es mis dans le coin là-bas, mais t'es un bon sniper. Hein. Ah mais Cersei, après ils l'ont fait marcher dans la rue, les jets de tomates, ouais. Et c'est même là les devenus plus chers encore. Dans Game of Thrones, la reine. Game of Thrones, j'ai regardé 2 saisons. Après c'est pas le même délire moi. Moi je dirais Poison dans Narcos. Poison aussi, il est sans âme, il compte les morts carrément. Poison. Ouais. Moi c'est Ivar moi. Parce qu'Ivar en fait c'est un chien avec son peuple, avec ses soldats. J'ai pas assez vu. Moi à ce point-là, il met pression, c'est une dinguerie. Et il lui trouve pas un petit point, un moment d'empathie? C'est quoi, c'est sa maladie? Est-ce que c'est le fait que ces armes, tu t'attaches à lui un peu par rapport à ça? Fait, vu qu'il a été abandonné, tout ça, en gros, il est handicapé. Ouais. Il a pas de jambes, bah, du coup, il est à l'époque, il les abandonne, les mecs comme ça, c'est des infirmes. Ouais, il s'est vengé sur le monde. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas infirme maintenant. Il y a pas le truc, la rampe comme ça. Il y a pas la rampe. Infirme au Moyen Âge. Infirme au Moyen Âge, t'as rien. Ramsey, dinguerie. Et t'as vu là, Ragnar, il a plein d'enfants. C'est un vrai méchant lui. Ramsey, c'est même pas méchant, c'est cruel. Cruel, la cruauté en personne. Lui, c'est. Ils disent T-Bag aussi. Non, T-Bag, c'est quand tu connais pas Oz déjà. Ah ouais, Blaise. Dans Oz, il y en a des plus carrières que T-Bag. N'importe quel personnage de Oz, il fait tenir la poche à T-Bag. T'as capté? Moi, tu sais, c'est qui le plus méchant pour moi? Et je l'ai découvert récemment. C'est le protecteur dans The Boys. Vous connaissez pas The Boys? Ah ouais, je vais regarder. La série avec les super-héros et tout? Ouais. Ah, c'est le truc Amazon? Ouais. Ça, c'est une dinguerie. Ouais, tu connais pas The Boys? Non, je suis pas guetté. The Boys? C'est un truc Amazon Prime, non?
Ouais. Mmh. Vous connaissez pas The Boys? En fait, la dinguerie, c'est genre, c'est le héros de la dans le chat, série. Ils doivent connaître. Ah non, oui, c'est le héros, mais en fait, c'est le plus cruel, c'est abusé. En fait, c'est quoi? Je vais t'expliquer. T'as vu dans les trucs Marvel, tout ça, non, t'as vu les super-héros, ils ont sur une histoire et trucs. Maintenant, imagine, t'as vu des super-héros, ils ont des pouvoirs, mais ça reste des humains. Ça veut dire un mec. Ça veut dire il y a de la cruauté, des histoires de viol, de corruption, de trucs. Et chaque super-héros, en fait, travaille dans une agence et il est payé par des villes pour la protéger et trucs. C'est-à-dire, il tient une image Colgate, sourire parfait, truc, nanana. Et dans les coulisses, ils se font des coups de crasse, t'as peur. Mmh. Et en même temps, tous, ils peuvent éclater la planète ou truc, ou nanana, mais il faut qu'ils restent cool. Mais ça, personne ne le sait. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui fasse une crasse à un civil, mais le civil, il dit, c'est quoi cette fois? Je me laisse pas faire. Et la série, gros, comment tu décantes, comment l'esprit humain il est, s'il avait des pouvoirs comme ça, tu te dis, franchement, Dieu merci qu'on en ait limité à nos deux bras, deux jambes. Elle est en carrière de ouf. Ah ouais. Elle s'appelle comment la série? Mais c'est en mode super-héros méchant ou super-héros Marvel, grave gentil, grave... C'est mélangé, il y a des bons, il y a des mauvais, ouais. Mais tous ils ont des parce pouvoirs. Moi, c'est pour ça que des fois j'aime pas les séries de super-héros, parce que je trouve que c'est trop lisse. Quand c'est trop fantastique. Ouais, voilà. Bah après, c'est le même truc avec Game of Thrones. Je pense pas qu'il y a trop de gens qui regardent Game of Thrones pour les dragons et les marcheurs blancs. Ouais, ouais. Tu regardes plus pour... Le côté sombre. Ouais, le côté sombre et les dialogues, les trucs de carrière qui se font. C'est ça. Dès le premier épisode, tu vois direct le délire. Ouais. Dès le premier. Après, c'est pour ça il suffit pas d'avoir un décor, hein. Même tu regardes, c'est pour ça qu'on arrive tous à différencier la différence entre un Gomorrah et un Suburra, par exemple. C'est tout de suite, moi par exemple, il y a même des séries, gros, je sais qu'elles sont super intéressantes, j'arrive pas à les regarder. La série sur El Chapo, je peux pas la regarder. Ah, je l'ai regardé. Ah ouais, moi j'ai pas regardé, moi. J'ai pas fini. Mais Narco, j'ai regardé le début, pas la suite quand. J'ai pas regardé la suite. Mexico. Narco, c'est extraordinaire. Ou genre Top Boy, t'as bien aimé? Ouais, j'aime bien Top Boy. J'aime bien, mais j'ai l'impression de revoir The Wire un peu. Ah, ouais, c'est faux de dire ça parce que c'est toutes des séries qui vont traiter du même sujet. Après, c'est sur différents points de vue. Après, j'aime bien ce truc de la street anglaise. C'est marrant de voir les différents quartiers d'immigration auxquels ils ont, les Nigériens, les Albanais, les Turcs, les trucs, etc. C'est marrant de voir les communautés, comment ça change. Ça demande Power Snowfall. Ouais, c'est à regarder Power. Power, ouais. Mais Power, j'ai arrêté à 50. Non. J'ai bien aimé BMF aussi. Et Snowfall, là, il faut que je re-regarde parce que Snowfall, j'avais arrêté à la deuxième saison. Tu regardais sur Canal? Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. Et après, j'ai une grosse coupure. Et j'aime bien le bandit juif dans Snowfall. Mmh. Il y a un. Ah, ouais. Il fait du bowling et tout. Même, tu sais, j'aime bien son drip, ça dégaine. Ouais, il dégaine. Ouais. Et même, tu sais, ses lunettes, ses paires de lunettes qu'il choisit et tout, il a une dégaine de bandit juif, j'aime bien. Et même le fait, tu sais, comment il met sa culture en avant et tout, j'aime bien. J'aime bien son banditisme. J'apprécie son banditisme. Snowfall, j'ai rien à prendre saison, j'ai pas eu le temps là. Après, vous êtes des mecs, quand vous jouez aux jeux vidéo, vous préférez les jeux FIFA, Call of, truc, ou les jeux avec des histoires? Parce que je trouve maintenant les jeux avec des histoires, c'est devenu mieux que des films. Ouais, non. Moi, j'aime pas ça. Ah, tu regardes pas les cinématiques, les trucs? Non. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est avant, j'étais grave dans les jeux, tu vois, les jeux solo. Ouais, c'était avant ça. Ouais. Maintenant, là, il y a plus trop de jeux avec des vraies histoires de fou. Hein. En fait, c'est quoi? Il y en a, mais des fois, c'est. Et des fois, t'aimerais bien être un adolescent, d'avoir le temps. Parce que par exemple, tu regardes Horizon Zero Dawn, là, le dernier et tout, l'histoire, la métaphore, le truc sur l'humanité, ça tue. Mais des fois, frère, tu dis, il y a un article avec 200-300 mots, ouais, j'ai pas le temps, entre 4-5 appels, j'ai pas le temps de le lire. Je vois ce que t'as voulu. Tu sais, tu te sens gêné pour le mec qui l'a écrit le truc, tu dis, putain, c'est mortel ce que t'as. J'ai pas le temps. Fou, mais j'ai pas le temps. Mais Resident Evil, il y a une vraie histoire. Ouais, Resident Evil, il y a toujours eu. Ouais, Resident Evil. Après, à l'époque. Oui, un jeu. Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. C'est une dinguerie. Attends, le jeu c'est quoi Mafia, c'est au Japon. Ouais, si. C'est un sorte de Yakuza en gros. Mais t'es dans les marchés et tout. Tu tapes, tout ça. Ça me dit un peu. Il y a des cinématiques de fou. La scène du mariage, ceux qui ont joué au jeu. La scène du mariage, c'est une dinguerie. C'est un peu à la GTA, mais au Japon, tu vois. Ouais, c'est un peu à la GTA. Ça me dit quelque chose de fou. C'est à la GTA. C'est GTA en gros. Ça me dit quelque chose de fou. D'ailleurs, je me suis toujours dit, pourquoi est-ce qu'ils font pas GTA dans une ville, rien à voir? Pourquoi est-ce que ça reste tout le temps au state? Un GTA à Paname, ça aurait été mortel de ouf. Parce que je crois que ça parle plus à... Ouais, le public mondial, ouais. Ça va, bien sûr, c'est logique. On a toujours voulu un GTA à Paname. Hein. Un gros GTA à Paname. Mais moi, c'est quoi, quand ils ont fait GTA 6, quand j'ai vu l'annonce, tu connais, je me suis dit, en fait, c'est quoi, ils vont tous nous ken, ça va devenir Ready Player One. Et ils vont le vendre avec un casque, une machine comme as, et c'est GTA dans là, le monde. Ils vont l'annoncer là à la rentrée. C'est là en vrai. À la rentrée pour l'année prochaine. Ça serait une dinguerie. S'ils mélangeaient ça avec de l'argent, tu sais, Zarma, tu gagnes de l'argent pour de vrai en faisant des actions dedans, c'est incroyable. Mais on va y arriver à ça.
Après, là, il y a un streamer qui arrive là. Ouais. À nous, Blaze, il s'appelle. Bienvenue à lui. Peut, ouais, c'est ça. La hack, c'est pour ça que je suis en train de brancher là. Ouais. Après. Mais frère, regarde Viking. Ouais, regarde. Regarde, regarde, regarde. Je vais guetter. Hein. Moi, j'ai guetté les deux, Game of Thrones et Viking. Les deux, je les ai finis. Et moi aussi, au début, je me disais, ouais, Viking, c'est peut-être une réplique de Game of Thrones et tout, mais non, je jure que non. Toi, pour toi, je me trompe, je l'ai. Ouais, pour moi, t'as loupé. Ok. Ouais, t'as loupé. Tu vas kiffer. T'as loupé. Après c'est pour ça même, c'est quoi, c'est bien avec les tout ce qui sort et trucs, c'est que c'est là. Ouais, une fois que c'est sorti, c'est là. C'est-à-dire que tu peux le redécouvrir plus tard, le kiffer de ouf. Moi, par exemple, là, j'ai eu un truc où tous ceux qui ont regardé Walking Dead, ils ont pété un câble sur moi parce qu'eux, ils l'ont vécu en direct. C'est-à-dire qu'il y a un gros suspense entre deux saisons. Là, je veux pas spoiler. Mais il y a un truc, en fait, où tu as vu, à la fin d'une saison, il se passe un truc et tu le sais pas avant la saison d'après et elle est sortie 2 ans d'après. Moi, ça m'a pris 2 secondes sur Netflix. C'est-à-dire, tu vois, ce truc de 2 ans de truc, je l'ai pas eu. Et moi, j'ai kiffé l'avoir en tout de suite. C'est ce que je veux dire. Moi, Netflix, j'ai le démon de Netflix, c'est quoi? Et ils ont y mettre une petite image. Ouais. La miniature. Mm. Des fois, ça te spoil. Ouais. Ouais, mais ça te met des scènes rapide. Ouais, mais moi, j'ai jamais fait spoiler ça. Tu capes direct, c'est quoi? Ah bah, si t'arrives à lire ton chat, c'est sûr que tu capes direct. Non, moi, j'arrive, hein. Moi, j'arrive à lire, là. Derrière, ils disent quoi, le chat depuis tout à l'heure, on aura pas peine. Là, c'est en gueudin que t'as parlé des Vikings. Désolé, le chat. Mais rien. House of Dragon, il en a pensé quoi? Ah, j'ai kiffé House of Dragon. Incroyable. Ouais. Incroyable. Déjà, il y a un moment quand tu regardes Game of Thrones, tu dis, ouais, vous avez pas les lovés pour faire les autres dragons. Rajouter du dragon. T'as capté, c'est-à-dire, on a attendu, je sais pas combien de saisons, il y a trois. Là, ouais, là, il y a du dragon là. Ah, il y a les mêmes dragons dans. Ouais, mais les dragons, tu les vois pas beaucoup en vrai dans Game of Thrones. Ouais, enfin, ça arrive à la fin. Vas-y, c'est trop cramé que c'est. Tu vois, c'est artificiel un peu. Ouais. Ouais, ils sont bien faits en vrai. Ouais. Je trouve les dragons de Game of Thrones sont bien faits. Attends, moi j'ai envie de retourner sur la musique un peu, moi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une question. Parce que j'ai vraiment envie de savoir, je suis curieux. Si t'as pas la même réponse que moi, j'aurai la haine. Non, dis-moi. Ton album préféré, hormis celui qui va arriver et le dernier qui est sorti. De moi? Ouais. Je crois Nick Le Casino ou VVRDL. Hein. Nick Le Casino. Nick Le Casino. C'est que l'intro, je vais pas la mettre, c'est mort. Mais t'as vu quand j'ai mis l'affiche que tu y a un pote à moi, j'étais en cours à l'ancienne avec lui. Il m'a envoyé une vidéo, un snap, où intro, je la chante par cœur. Intro, je la connais encore aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai flingué des sons, mais je sais pas pourquoi. Ouais, intro, bien sûr. Il est encore. Nick Le Casino, c'est trop. En plus, vu que je regarde des Gomorrah en même temps, t'es fou, c'était le combo. Je voulais partir en Italie, tout niquer, partir en couille, je voulais mettre mon argent. Ouais, Et tu veux Golrit, c'est quoi un combo, comment est-ce que la vie m'a donné, hein, de ouf que j'ai eu. Je suis en Thaïlande depuis déjà une bonne semaine, 2 semaines, avril. Et il y a l'album de PNL qui sort. Et je roule en T-Max, gros, sur les routes. Je fais pas le fou ou quoi, ou truc. Hein, mais t'as vu, bête de paysage et truc. Et t'as vu, là-bas, tu peux rouler sans casque. À tes risques et périls. À mes risques et périls, mon casque, c'était un casque Beats by Dre. C'est-à-dire, je roule avec l'album de PNL Deux Frères. Je le découvre, t'as vu, sur un trajet où je fais Surin, Phuket, truc, toute la ligne Kamas. 45 minutes de coucher de soleil avec les bateaux sur le. Je me suis mangé une teutard, gros. Tu sais, où des fois, quand il y a des trucs, quand tu le découvres dans un mood, des trucs. C'est pas ça, pareil. Ouais. Quand moi, tu le découvres au bon moment, c'est un délire, gros. Ah, je l'avais kiffé cet album, de ouf. Même, j'ai flingué, j'ai oublié le blaze. Peut-être c'est celui que t'as sorti. Celui en mode funk brésilienne. Ah. Mais voilà, moi j'ai aimé. Après, peut-être le Aulnay sous bois placé dans le son, je sais pas, mais j'ai kiffé. Et moi je trouve que même la prise de risque là de. Parce que de mettre une perruque, c'est une dinguerie. Ouais, mais malgré. Genre, ça a eu aucun impact. Non, c'est pas ça. C'est que moi après, franchement, Dieu merci, c'est que les gens qui m'écoutent et tout, je pense qu'ils me comprennent. Ouais, disons. Et ils savent que. Que je m'en fous dans le sens où t'as vu, je prête pas attention à ça, de prendre des risques, tu sais, aujourd'hui je vois des nouveaux artistes qui parlent de DA, de trucs. C'est bien parce que quelque part aussi, ils rendent précieux leur carrière. Et moi aussi, peut-être que ma faute des fois, ça a été justement de m'en foutre, mais ça m'a aussi permis de faire des beaux projets comme celui-là. Et Johnny De Janeiro, moi je suis super content de l'avoir fait avec du recul, parce que je l'ai fait dans un moment où aussi je me prenais la funk brésilienne à toute patate. Moi, faut imaginer, gros, imagine-toi, t'es avec moi, on est à Rio De Janeiro, Copacabana, sur un appart qui donne sur la plage, t'as capté, 140 mètres carrés sous un poteau italien que je connais par rapport à un poteau français, avec des poteaux dans la favela, et ce soir-là, on va faire le nouvel an à Vidigal, qui est une favela où on a des poteaux et trucs,
en plein Brésil, gros. Comment tu veux pas que je me mange la musique en pleine tête? Tu vois, comme il y en a, ils se sont mangé la drill. Moi, ça a été ma drill à moi. Ouais. De, oh tiens, il y a un truc dedans qui change, je sais pas, truc. Et là où, où des fois, t'as vu, faut aussi faire doucement, c'est pas parce que quand tu te manges le choc que le monde entier se le mange avec toi. Ça veut dire, soit faut être cohérent aussi un petit peu avec sa musique, rendre précieux son truc. Je comprends ces trucs-là maintenant avec du recul. Mais je m'empêcherai jamais de faire ce que j'aime, sinon... Bon, moi, j'avais kiffé. Ouais. Moi, j'avais kiffé. Là, je savais pas que y a des gens en mode, ils ont pas accroché. Moi, j'ai même pas fait attention, moi. Parce que je voyais les interviews, les trucs, ouais, funk. Mais j'ai dit, mais c'est où la funk, là? Pour moi, c'est un son comme d'hab. Ils veulent racheter Paris, les Sicario. Celui-là, gros, que je te dis, j'ai pas... même quand je l'ai fait, gros, il a une âme, ce morceau de ouf. JDJ, il a une âme, il a une... Même, tu sais, c'est quoi? Pas pour faire carré ou quoi, peut-être parce que j'étais aussi agréable là-bas, mais même tu sens que les Brésiliens, ils étaient sensibles, pas à tous les morceaux, mais à deux, trois morceaux comme ça. T'es triste, il kiffait de ouf, t'es triste, Somnambule, JDJ et Temptation, gros, le clip, on l'a fait à Copacabana. Dans, bah, tu vois, quand je te parle de l'appart et trucs, on l'a fait dans cet appart-là, Temptation. À Copacabana, appart qui donne sur la plage, truc, nanana, c'est avec les poteaux au Brésil et trucs. Et le Brésil, c'est intense. Hein. Je te mens pas, je pense pas que aujourd'hui, t'as vu, je suis père de famille et tout. Non, j'y retournerai pas dans les mêmes circonstances. C'est un délire là-bas. Hein. En vrai, déjà, c'est toujours compliqué quand t'es pas chez toi parce que tu maîtrises pas les codes. Et il y a un moment où on n'est pas dans un safari, il y a un truc malsain aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'allais faire des rencontres là-bas parce que je m'intéressais vraiment à la culture brésilienne, à la musique et trucs. Mais leurs histoires de vie de tous les jours et trucs, tu sais, j'ai pas envie d'être là comme une. Tu vois ce que je veux dire? Comme un faillot, tu vois? Oh ouais, tu sais, c'est dramatique en fait, tu vois ce qui se passe. C'est vraiment dramatique. Moi, j'ai vu des trucs de près ou de loin là-bas, tu sais, c'est pas frais en vrai d'être autant confronté à des situations comme ça. Quand je te dis ça, par exemple, t'as vu, tu vas là-bas. Tu connais donc des Français, on voyage, on ramène du fromage, on se comprend, du produit local, qu'ils ont pas là-bas. Ouais. Tiens, un peu de fromage, goûte, c'est du comté, ouais. Ah, c'est génial, je donne au boss de trucs, ah, ils kiffent, ah, bon comté, parce qu'ils ont pas sur place, donc tu vois, on kiffe, on partage, on a de la culture ensemble. Et du coup, tu fais des connexions, des trucs de l'un, et par exemple, je te donne une anecdote, une fois, on est là en train de faire un barbecue, fin de tournage de clip, truc, tout va très bien, ça ramène du monde, etc. Et t'as vu, eux, ils sont vraiment armés tout le temps. C'est pas un reportage. Y a pas de caméra, y a pas de truc. Eux, on les filme pas. Mais eux, dans leur délire, ils sont camas. Maintenant, mon poteau qui est, lui, sur place, il me dit, vas-y. En vrai, vas-y, viens, on taille, tu vois. Et je dis, c'est vrai, t'as raison. Fou, on revient le lendemain, gros, ça va pas couper. 15 minutes après, y a eu des pépins. C'est-à-dire que toi, t'es là dans ton truc de touriste, tu crois que truc, c'est... C'est sympa, la calage, là. C'est leur vie de tous les jours, là-bas. C'est une vie de tous les jours et c'est malheureux et c'est, je trouve ça immoral un peu, de, tu vois ce que je veux dire. Il y a même notre album avec la cover des grands-mères. Ah, VVRDL. Et Fifou, il est venu là il y a 2 semaines. Ouais. Il nous a raconté l'histoire. En gros, à la base, toi, t'avais une idée, mais lui, il a rajouté un truc et ça a donné ça. Ouais, c'est, franchement, tu sais quoi? Quand on me dit, ouais, c'est qui a eu l'idée avec Fifou quoi, j'arrive jamais à dire. Parce que je sais que c'est des constructions de... Elle compte, dans la cover, elle compte. Ouais, c'est ouais. Ça. Et il avait dit qu'au début, la première idée, c'était juste des grands-mères normales. Ouais. Mais après, ça a rajouté l'idée qu'elle compte le bénéf. Ouais, moi, je voulais les mettre en mode trap. Tu vois, je voulais les. Ah, les habits. Non, voilà, c'est ça. Ouais. Qu'elles soient dans des tenues en mode rien à voir. Et après, l'idée, non. Fifou, en tout cas, lui, il a dit, c'est lui. Ah, Fifou, t'es un menteur. Non, ils m'ont pas. Non, voilà. C'est un bon. En plus, c'est une crème, c'est une dinguerie. Non, si. S'il a dit ça, c'est le grand ref. Tout ce qu'il ouais, dit, c'est vrai. Ouais, ouais. Et lui, ça se voit, il est passionné à la mort. Ah, sinon, il ferait pas ça. Aujourd'hui, même tu sais, c'est quoi qui est bien pour moi d'avoir été spectateur. Après, je vais pas faire le père Castor. Hein. Putain, je vous raconte des trucs, mais voir des mecs comme Fifou. T'as vu, moi, je l'ai connu à l'époque à Madoun, qui était mon producteur. Il m'a emmené chez lui pour ma première pochette. J'avais 19 ou 20 ans. Il avait un studio de 9 mètres carrés ou 8 mètres carrés dans le 11e arrondissement. Et là, aujourd'hui, il a un super grand studio, il a le monopole sur le truc. Et de l'autre côté, il n'est pas mauvais non plus avec les autres photographes. Je ne l'ai jamais vu dans des filouteries. Il est dans des fifouteries, mais dans les filouteries, je ne l'ai jamais vu. Tu vois, par exemple, la changement de propriétaire, ce n'est pas Fifou qui l'a fait.
Pourquoi c'est pas Fifou qui l'a fait? Parce que c'est pas Fifou qui a eu l'idée de cette cover. On m'a proposé une cover, j'ai dit elle est mortelle, je peux pas la prendre à quelqu'un. C'est toi qui l'a fait, c'est toi qui es crédité pour. T'as capté. Et sur Ouvert tout l'été, j'ai envie de travailler avec Fifou, on retourne travailler avec Fifou. Ouais, t'es pas avec nous. Oh, moi c'est bon, mon truc, t'inquiète. Non, mais tu veux pas que tu le ramènes? Non, tranquille. Pas maintenant? Ouais, t'inquiète, tranquille. Mais ouais, faut nous raconter l'histoire, c'est ça. À la base, elle devait être dans des tenues. Après, ça dit non, faut les laisser dans leur truc. Ouais. Juste, sur la table, il y a autre chose. Truc rien à voir. Ça, je sais plus si c'est Fifou, moi, mais je pense que ça doit être Fifou. Il a dit quoi? C'était un mélange. C'était un combo. C'est Fifou, comme ça, vas-y. Puis ça coûte cher, hein. Il nous a dit c'est tarot, Fifou. Combien c'est cher? Il nous a dit c'est minimum 1500. C'est bien, il m'allume pas, hein. Ah, il a fait moins? Ouais. Moi, je l'ai payé 250. C'est pas possible, impossible. 250, c'est impossible. Ah, je l'ai, attends. On va créer de l'animosité parmi les rappeurs. Ouais, Fifou, comment ça? Je suis un bouffon ou quoi? Game of Thrones, c'est Game of Thrones tout le temps. Là, ça demande, t'en as pensé quoi des flammes? Là, moi, j'ai bien aimé. Hein. Moi, j'ai bien aimé, je trouve que. Même après les gagnants, les goûts et les couleurs et blablabla, il y a un gagnant, il y a un perdant. Tu peux pas satisfaire tout le monde. Mais je trouve que la cérémonie, elle est bien montée, elle est bien faite. C'est une première édition. Après, ce que je trouve malheureux, c'est que pour la culture hip-hop en général, je trouve que c'est un aveu de faiblesse en fait, parce que le vrai combat, il n'est pas là. Les victoires de la musique. C'est pas, hey, les gars, on va faire notre cours de récré de notre côté. Non, non, il y a une anomalie là aux victoires de la musique. Donc là, en vrai de vrai, on a légiféré l'anomalie. Et ce dossier-là, il est clos. Donc maintenant, mettez-nous le fils de la tante de qui vous voulez. Quelqu'un qu'on n'a jamais entendu au bataillon, même dans la chanson française. Et nous, on va faire notre cérémonie urbaine. Ça n'a aucun sens. C'est peut-être parce que ça fait des années que ça ne bouge pas aux victoires de la musique aussi. Mais il y a ce délire où j'ai l'impression qu'il renie le rap, tu vois. Ouais, mais je pense parce qu'en vrai de vrai, les victoires de la musique, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est les professionnels de la musique. Le mec, il a dit quoi? Excuse-moi, je te coupe. J'ai dit, ouais, les mots, ça deck. Il a dit quoi? Attends, il a dit quoi? Je sais pas, il m'a eu. Ouah, là, les mots compliqués, ça deck, on est cons, nous. Tu vois, moi. Hein? Ouais, je veux bien, ouais. T'as quoi? Non, un gobelet marqué. Il y a de l'eau. Tu veux de l'eau? Il y a de la boisson, du coca. Il y a pas de Pepsi. Coca. De l'eau, de l'eau. De l'eau, ouais. Red Bull, il y a. Non, de l'eau, nickel. On va te ramener un verre. Ouais, nickel. Je disais, les victoires de la musique, c'est les professionnels qui jugent. Et le rap aujourd'hui, c'est dans les charts parce que c'est le public. Donc au bout d'un moment, c'est leur seul moyen de contrebalancer. Tiens, la grande mascarade, on élit qui on veut et trucs, etc. Et en même temps, on vous montre qu'on décide. Mais en vrai de vrai, soit on accorde plus d'importance à cette cérémonie, et nous-mêmes, on n'en parle plus et on la boycotte clairement. Soit on s'y bat pour que des artistes comme Tiakola, quand ils pètent les scores, etc., ils aient leur victoire de la musique. Mais je veux pas que les flammes soient érigées en lot de consolation des victoires de la musique. Parce que la cérémonie, en plus, elle tue et je trouve qu'elle est même. C'était lourd. Ouais. Non, moi, c'était lourd. C'était lourd. Une première édition, c'était propre. C'était... Après, comme tu as dit, les goûts et les couleurs de qui a gagné, tout ça, ben, ça on veut pas choisir. Mais. Moi, j'aime pas les compétitions. L'initiative est bonne. Ah ouais? Et tu sais pourquoi? Parce que je gagne jamais. Ah, tu croyais que j'allais sortir une phrase de. Ah non, ouais. Ah non, je suis gros. Hein. J'étais comme Marquis, j'ai l'habitude de finir au goal. Hein. Hein. On nous laisse pas mettre des têtes plongeantes à nous. Hein. Ah, il est bon. Alors, mais... on se penche en entraîneur. Mais il y a de la concu, c'est réel. En tout cas, moi, je serais rappeur, je serais que en mode. Ah, vas-y, j'espère là. Je fais. C'est quoi? C'est quoi le minimum? Payé minimal. Ah ouais, t'as ramené des. C'est tout ce qu'il y a. On va se faire des shots d'eau. Tu disais quoi, le minimum de quoi? C'est quoi le minimum de vent, en gros, si t'as fait... Là, il y a un délire où si t'as fait en dessous de, je sais pas, je dis de la merde, 2000, c'est la honte. Ça dépend... Alors qu'en vrai... Non, mais c'est même pas... Regarde, c'est même pas pour dire truc quoi. Moi, t'as vu, j'ai vendu, je vends... C'est même pas ça, la question. C'est de la merde, à quel moment, à quoi, à truc. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que ta musique est rentable? Si t'en veux... Bah ouais, en vrai, de vrai... Soso Maness, il a dit un truc mortel, il a dit vivre de sa passion, c'est déjà être à la retraite. Moi, je suis d'accord avec ça à 100%. Maintenant, est-ce que gagner, c'est pas juste être rentable? Moi, je vois des mecs, t'as vu, qui créent des niches, des petits mouvements, ou même des anciens qui juste gèrent bien leurs économies, ils sont rentables. Quand ils se regardent dans la glace, t'as vu, ils sont bien, le truc, il y a de l'argent qui rentre, ils savent où ils en sont. En vrai de vrai, c'est là pour moi la meilleure des logiques.
C'est, est-ce que juste t'es rentable? Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi clownesque où demain, imagine, t'as vu tes grandes restas de ouf, tout le monde croit que t'es plâtré, tu prends pas un. Mais t'es obligé de tenir le rôle de t'es plâtré. Mais ça, c'est pas que dans le rap, ça existe dans tout. Dans tout, ouais. Ça existe dans tout. Alors imagine, alors, oh, je viens de... Mon cerveau, des fois, il me fait des tours. Imagine, t'as un champion du UFC de ouf. Castagne de ouf, hein. Mais t'es tenu par une équipe. Tu vois l'ambiance, Tu prends rien. Non, tu les castagnes tous, mais tu peux rien faire. Ils tiennent par autre chose. Entre... Tu vois comment l'être humain, il est... C'est Game of Thrones tout le temps, ma couille. Ça va être Game of Thrones toute la nuit. Et ça veut dire qu'il y a des rappeurs, ils sont tenus. Mais pourquoi que des rappeurs ou des trucs, quoi? Évidemment qu'il y a des rappeurs qui sont tenus. Évidemment aussi que, t'as vu, on parle pas aussi d'autre chose. On aime bien ce fantasme à la valider. On parle pas d'autres rappeurs qui ont les mêmes équipes depuis 10-20 ans. Ouais, des changements, et des vols de rappeurs. Gens qui ont mangé ensemble, qui ont vu, qui ont au début, t'as vu, été dans tous les showcases, des trucs, etc. Aujourd'hui, qui ont des familles rangées, qui travaillent, qui ont des économies. Il y a des équipes, gros, ça fait... Tu sais, des fois, on aime trop parler des trahisons, des trucs. Des fois, il faut regarder aussi des équipes comme celle de Soprano, truc, gros. Ils ont monté des bureaux, IAM, truc, ils ont monté des bureaux, des trucs incroyables jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils n'ont plus besoin de faire du rap ou quoi, etc. Ils sont toujours pertinents. Mais il y a plus d'équipes qui sont restées soudées ou d'équipes qui se sont séparées? Je pense qu'il y a plus d'équipes qui sont restées soudées, mais le problème, c'est qu'on regarde toujours plus les... Le mauvais. Bah ouais, parce que ça nous attire plus. Mais c'est comme il y a un truc avec les internet et trucs, etc. Aujourd'hui, être accusé, c'est pire que de faire. Parce qu'en vrai, les gens, ils cherchent pas la vérité, ils cherchent la merde. La petite bête. Le caca. Non, c'est la réalité. En vrai, de vrai, demain, un mec, il est accusé d'un truc. T'as pas les preuves ou quoi? T'es coupable. T'es coupable. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en vrai, de vrai, comme on est... Et moi aussi, j'y suis sur internet. Des fois, t'as vu... Il y a des moments où ta vie a pu la demeure, truc, nanana. C'est plus facile de se focaliser sur les défauts d'un autre qui sont mis en public... Pour se dire, ah, le gros tarbat. Et pour pas regarder que toi, en fait, dans ta vie, c'est pas ça en ce moment. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ah, je vais lancer une école de conseils de psychanalyse. Parce que... Tu t'inscris, Marquis? Je m'inscris direct. Oh, je te fais un abonnement premium. Oh, je te régale. Non, mais je disais, ouais, quand j'ai fait la petite ref, quand j'ai dit le caca, ouais, pour revenir sur... Le popo. Le caca, le popo. Le honey, l'or noir. C'est qui la flingue, cette blague? Le pétrole, le caca. Le caca, le popo. Le caca, le popo. Le caca. C'est... Il y a un petit de mon quartier dès qu'il voit, il me dit, ah, le caca, le popo. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es arrivé à Dubaï? C'est quoi, t'as vu, en gros, ils roulaient en voiture de gueudin? Tu t'es dit... Oui. Non, bug. Non. Ou tu le savais non, déjà. Non, c'est pas qu'ils roulent en voiture. Regarde, c'est pas qu'ils roulent en voiture de guédin ou quoi. C'est ils sont en train d'éclater tout le monde. Mais fort. Et c'est Robin des Bois inversé, c'est-à-dire voler aux pauvres pour devenir plus riche. Celle-là, elle est incroyable. Et en plus, comme personne n'est sur place et personne ne comprend la facilité qu'il y a à faire ça sur place, ça marche, ça passe. Et du coup, il y a des gens qui s'enterrent pour de vrai. Et ça m'a fait un truc parce que moi, à l'époque, déjà, j'avais un Snap qui marchait bien avec d'autres rappeurs et tout. On a toujours été sur Snap, ça a toujours bien fonctionné, les trucs, etc. Et il y a des trucs qu'on m'a proposé que j'ai toujours refusé. Et à un moment où tu as vu, tu regardes le truc et tu dis, mais attends, toi, tu le refuses parce que tu sais que c'est malsain. Je l'ai fait une fois, moi, le trading au début, parce que là, j'y ai cru que c'était un truc. Tu as vu, ça schémarre. Tout le monde cache des choses. Il est beaucoup plus facile que ça, tu vois. Il y a un raccourci, on nous cache des choses. Ouais. Au début, tu vois, quand t'entends parler de crypto et trucs, et moi, tu sais pourquoi il y a un truc qui a fait que je suis rentré dans la crypto au début et trucs, etc. C'est que la crypto, j'y étais confronté très tôt. Je fais partie des histoires à la con de ceux qui auraient pu devenir millionnaires en crypto. J'ai fait les ligaments croisés de la crypto. Ouais. Moi, j'ai fait les ligaments croisés de la crypto pour de vrai, moi. Tu veux que je te la raconte, celle-là? T'as deux balles. Ouais, vas-y. Moi, j'écoute. J'étais dans le 11e arrondissement. À l'époque, j'avais des amis et trucs, etc. Et je faisais du commerce de fromage. Il y a quelqu'un qui voulait 10 grammes de fromage. Il me dit... Si tu Comment ça, du fromage? Mais genre, il a pas compris. C'est ton fromage, mec. Le fromage, hein. En soja. Le fromage. En soja, en fromage. On s'en fout, ça aurait pu être du fromage comme ça pourrait être du PQ. C'est pas ça, c'est juste pour te donner bien l'histoire. Et pour te dire le golemon que je suis.
il me dit, ouais, non, les trucs, est-ce que tu peux me avancer 10 grammes de fromage, des trucs, t'as vu, et moi, je te donne 100 bitcoins. Et le truc, il m'est resté dans la tête. Arrête. Et j'ai dit quoi? C'est cool, là, ça va tourner, attends. Les gens, ils vont dire, ah ouais. Mais t'es pas prêt, parce que écoute la phrase de Lossa que je crois lui sortir. Écoute la phrase de Lossa que je crois lui sortir. Je me pose comme as, en plus, à l'époque, je me prenais pour... Naskin. Je finis mon anecdote 2 secondes, Naskin. Ouais, vas-y. Je lui dis quoi? Je dis, l'argent là, il est sur l'ordinateur. Il me dit ouais. Je dis, l'argent il est virtuel. Je dis ouais. Il dit, tiens, donne ta main, Kamas. Je dis, tiens. Je dis, tiens, t'as de la drogue virtuelle maintenant. C'est bon comme ça, on est bon. Et je me casse. Non, c'est... En tête de homme. J'ai chié dans la colle. J'ai chié dans la colle, gros. 100 bitcoins. Je sais même pas combien ça vaut. Là, c'est quoi, 50 000? Il est monté à 50, je crois, à un moment. Un bitcoin. Ça veut dire au début du trading. Au début du trading, dès t'entends coin ou truc, tu dis ouais, c'est vrai, c'est logique. Ah, ça m'a fait un truc de. Ah ouais, c'est vrai, à l'époque, t'es passé à côté d'une grosse opportunité. Ça se trouve, la mine d'or, elle a réouvert, personne ne le sait encore. 2,5 millions, t'as raté. Non, pas le bitcoin. Non. Le total, le total, ouais. 100 bitcoins. Eh, mettez-vous d'accord sur les calculs parce que je crois pas que. Je crois pas que c'est ça. Ça dit 2,5 millions. Askid, ça va ou quoi? Ça va comment, bref? Au calme? Tranquillement? T'as placé chez deux baisers. Bah, attends, je te rejoins là. Ouais, bientôt là. Fais-moi une place dans ton cul. Bientôt l'anorexie. Non, mais Naskid, ouais, c'est un frérot, on se connaît sur Twitch. Mais, ouais, là, mais t'es ça, ouais. Tu me présentes là? Mais non, je lui explique la connexion parce que là, il doit se demander qu'est-ce qu'il fout, Naskid. Ah non, mais je l'ai vu sur les autres Twitch. Ah, il est branché, ouais, ma gueule. Ok. Non, je regarde. Tribunal des bannis, t'as pas vu? Ouais, non, t'es fou. Ah, ok. Ouais, bah, du coup, voilà. Ça va, les modos? Là, ils veulent les modos. Tu me le bannes, Loulou. Tu me le bannes, Loulou, je veux plus le voir. Non, tu dis pas ça. Non, personne n'est là pour sa plastique, tout le monde est là pour ses avis. J'ai pas de Twitch, je me régale. Profite, t'as connu Twitch quand? Hein? J'ai connu Twitch quand je crois il y a 2 ans. Il y a 1 ou 2 ans. Je me suis dit, mais c'est pas Twitter ça, qu'est-ce que c'est? Intéressant. Twitter, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien moi Twitter. J'aime bien Twitter parce qu'en vrai de vrai, t'as vu par exemple, j'ai fait un truc là avec Raplume où tu confrontes Zama des haters. Mais en vrai, c'est pas des haters, des gens, ils ont dit une phrase, une fois, un truc. Y'a rien de fou, tu vois. Et Twitter, c'est bien parce que ça laisse la place à tout le monde. Ouais. Dingue. Mais Twitter, c'est bien parce que ça laisse la place à tout le monde de dire ce qu'il pense comme il pense. Ouais. T'as capté? Donc moi, je suis partisan de la liberté d'expression. Parce que moi, en fait, t'as vu, je préfère un truc. Tu dis une dinguerie. Si vraiment tu la penses, viens, on en parle, histoire de faire avancer le truc. Parce que je préfère que tu dises une dinguerie et que tu la penses, plutôt que tu penses une dinguerie et que tu la dises pas. C'est vrai. Sous couvert de, tu vois. Y en a qui s'excusent que quand ils ont la main dans le sac. Ils sont pris. Mais en vrai de vrai, toi c'est quoi ton but quand tu corriges quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment de le corriger, de la correction, c'est-à-dire de l'améliorer? Ou est-ce que c'est juste de taper dans le mur et après ça devient disproportionné? Par tous les sens. Et... Ça veut dire les mecs c'était en réel et c'est passé quoi? C'était quoi le pire message? Mais en fait c'est ça le truc, c'était pas les messages. C'est qu'il y avait un mec marquant, pour moi, t'as vu, il vient, il a écrit un tweet, gros voilà il tremble. C'est pas drôle, je te jure que c'est pas drôle. Parce que t'as. Si, c'est drôle. Pas drôle. Mais c'est pas drôle. Je suis bon acteur, moi. Mais du coup, ouais, il a fait quoi? Et lui, il a dit quoi? Je me rappelle plus de la dinguerie qu'il a dit, mais. Tu sais, le fait. En fait, vraiment, j'ai. Ouais. Non. C'est pas un truc de ouf, mais. Et voilà, gros, t'as vu, je lui parlais tranquille, mon ref, truc. On s'en fout, truc, si tu as dit, tu sais, je le détends, et truc. Et en fait, ça te met mal à l'aise parce que tu te dis, gros, quand tu penses un truc, t'as le droit de le dire, de le penser, on n'est pas obligé de venir te tomber dessus ou quoi. Et moi, j'aime pas un truc de Zarma, c'est quelqu'un qui le dit, tu vas la fermer parce qu'il est gringalet, tu vois ce que je veux dire. Donc, vas-y, tweetez tous en PP manga, dites tout ce que. Hey. T'aimes bien les mangas? Bien sûr, j'aime bien. Ah ouais? Ouais. Moi, frère. Moi, je suis un best rap, moi. Ah ouais? Voilà. Ah, moi, on va en vacances. On va se régaler, best rap. Je connais les bonnes adresses, les bons mangas, j'aime les séries. Ouais, manga, j'arrive pas. Ah ouais? J'en ai regardé deux. Manga lire ou animé? Anime. Alors lire, non. Là, non. Lire, ah ouais. Compte pas sur moi là. Non, lire, non. Non. Ils sont contents, ils sont pas contents, lire, non. Moi, c'est ni lire, ni regarder, rien. Non, regarder, je peux regarder. T'as regardé lesquels? Pff, trop regardé.
trop regardé de création japonaise. Les chevaliers du Zodiac, dans les trucs à l'ancienne. Hein. Les chevaliers du Zodiac, les Dragon Ball. J'aime bien même Digimon, Pokémon. Là, il parle. Après, si on part dans maintenant... One Piece, forcément. Mais One Piece en premier, mais vraiment pour l'univers Eshiro, Oda, Luffy, truc, c'est trop. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est au niveau de Game of Thrones, tout ça. L'univers, il est plus fort. Large. L'univers de One Piece. Large. Oui, l'univers de One Piece, il est plus fort que celui de Game of Thrones. Ouais, large. Parce que One Piece, c'est l'univers est plus fort. Bah, c'est-à-dire que One Piece sont tellement forts qu'ils seraient capables de faire un arc Game of Thrones dans One Piece. Il crée des méchants en mode dragon, truc, nanana, truc. Ah, c'est juste un arc pour nous. Ça fait partie de notre univers. Ils sont trop forts. Il y a des gros mangas qui peuvent rivaliser avec des grosses séries. One Piece, pour moi, c'est au-dessus. Hein. Hein ouais. Ah, non. En vrai, je réfléchissais. En fait, c'est pourquoi c'est tellement. C'est pourquoi c'est au-dessus. Pour moi. C'est pourquoi c'est au-dessus. Parce que One Piece, là, ils veulent faire un live action. Tous ceux qui aiment One Piece, ils veulent pas le voir. Ça me fait peur, ça, par contre. Parce qu'en vrai, à travers le dessin, tu peux faire des trucs que tu peux pas faire dans le... T'es fou, c'est trop One Piece. Il y a des attaques, des trucs... tu vois Doflamingo, par exemple, quand il dévoile sa dernière attaque là-dessus. C'est trop, frère. Tu peux pas faire ça dans un film. Ah, de fou. C'est trop. Et manga... Par contre, je suis un tosmi. Là, ils sont refaits, hein. Ouais, deux mangas que je kiffe de ouf, Death Note et l'Attaque des Titans. Moi, je lui dis comment c'est Death Note. Hein, je lui dis comment c'est Death Note. Death Note, typiquement, si t'aimes pas les mangas, c'est le seul manga que tu peux kiffer. Ouais, voilà, ouais, c'est ce que je dis, ouais. c'est ce que je lui dis. Moi, c'est SNK. SNK, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, SNK, c'est un truc de ouf. Hein. SNK, c'est vraiment. Là, je suis en train de me remettre. C'est une dinguerie. Hey, mais attends, ça, t'as pas regardé, ça, tu connais pas la fin vu que t'es à l'anime. Là. De quoi? De SNK? Ouais. Fais pas de spoil. Attends. Tu parles du manga? C'est pas des trucs de ouf. Non, t'inquiète, mais t'as pas regardé. Non, parce que Naski, je peux le Nasme. non, j'ai pas regardé, non. Okay. Non, j'ai pas voulu voir de. Non, okay. Je sais pas c'est quoi la fin exacte. Ok, tu veux que je te dis? Non. Vas-y. Je te dis pas. Non, dis pas. C'est où je te dis? Tu sais, j'ai reçu qui? Là, il y a quelques jours, quelques semaines. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'était intéressant, dinguerie. J'ai reçu un mec que t'aimes pas. Qui ça? Wesh. T'as pas aimé à l'ancienne et vous avez eu une confrontation qui fait partie de l'histoire du rap français. Une confrontation qui... Wesh. Une interview filmée. Un que mec qui filme. Ah, Tonton Marcel? Ouais. Non, c'est pas, j'aime pas Tonton Marcel. Enfin, j'ai voulu hype le truc. Là. Ouais, c'est vrai, ouais. Il est où? Mais en gros, il nous a expliqué l'histoire. Dinguerie. En gros, il nous a dit... Parce qu'en vrai, c'est une dinguerie de filmer un mec qui te dit, en gros... Quand il était venu concert des deux balles. Je sais pas c'était où, mais c'est il t'a filmé, ouais. Toi tu lui as dit, ouais, t'es un mec qui divise. Ouais. Tout ça. À l'époque, c'était un délire, parce que tu sais quoi, il n'y avait pas trop de vidéos comme un qui buzzait les trucs et... Pas du tout que je l'ai fait pour ça, mais en vrai, après coup, tu sais, de voir la réaction, parce que moi, je voulais juste parler normal, tu vois ce que je veux dire. Et lui, il est fort, parce que lui, c'est le corbeau et le renard, t'as capté. Et en plus, c'est l'un des premiers prankers, parce que lui, il filme comme un, tu vois. Il savait pas? Je sais pas. Non, je pense qu'il. Non, je pense que. Tu sais, il nous a dit quoi? Non. Il nous a dit, non, en gros, il interviewait un rappeur. Non, je pense pas qu'il a fait en sorte de. Il disait au rappeur, ouais, décale-toi, jusqu'à que ça arrive à toi. Je pense qu'il l'a fait comme un, mais il a pas filmé en dissimulé. Oui. C'est pas une interview cachée. Ah, okay, c'est pas une interview cachée ou quoi. Mais t'as capté, il fait en sorte que la discussion elle passe au-dessus de l'interview. Et à l'époque, il y avait un truc que j'aimais pas chez Tonton Marcel, mais en même temps c'est comme ça qu'il faisait son beurre. Après, il aurait dû me le monétiser en vrai. Mais c'est d'aller mettre des en partout. Non, parce qu'il a quasiment dit que quasiment. Il nous a dit que lui, il en avait rien à foutre. Ouais. On lui a dit, ouais, mais là, la vidéo, c'est-à-dire que tu l'as postée alors qu'il critiquait. Il a dit, ouais, rien à foutre. Mais il a raison de ouf. Et il a dit, je filmais tout le monde, le truc. Il peut faire ce qu'il veut, m'insulter, me truc. Il en avait rien à foutre. Mais t'es fou, je me mets dans sa position à lui. Parce que Tonton Marcel, c'est un blédard, c'est un cuisinier. Quand je te dis, c'est un blédard, c'est-à-dire, c'est un mec, il est pas dans le. Tu sais, nous, on est là, on est impliqué dans le truc. Il nous regarde comme des guignols, c'est pas ça. C'est lui, il est en Côte d'Ivoire, truc, c'est ça sa culture, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, vos chamailleries, vos trucs, s'il y a moyen d'en faire quelque chose, on va en faire quelque chose. Avec du recul, c'est comme ça que je le vois. Mais après, Tonton Marcel, ça a été génial, parce qu'il a aussi permis à plein de gens de se mettre sur Internet, gros.
il a créé des carrières internet incroyables. C'est le premier dans le délire. Ouais, c'est le premier délire interview et tout. Solo et il allait beaucoup dans les quartiers aussi. T'as vu un truc, faut pas lui enlever. Il allait beaucoup dans les quartiers. Inconnu au bataillon, truc, nanana, pour découvrir des rappeurs, des trucs. Ouais. Et ça, il le faisait vraiment dans un truc de si je prends un truc à la culture, je dois donner un truc à la culture aussi. C'était un passionné quand même. Je sais pas s'il est toujours ou quoi, j'ai jamais reparlé avec lui. Il est toujours et tout. Ouais. Il nous racontait des histoires. Il fait quoi maintenant? Il a dit. Attends, il avait dit quoi la phrase exacte? Je crois qu'il va lancer un label. Ouais, il a dit je vais faire un truc, je vais changer le rap français bientôt. En gros, en plus, je crois que ça marche. J'ai totale confiance à tonton. Mais il monte un label en fait. Il monte un label tonton en nom. Il a dit. Ah, le. Mais le, par contre, c'était une crème. Dire, il parlait de sujets et tout. Une crème. Mm. Ça se voit. Moi, c'est pas des trucs sur lesquels. Le dire, pourquoi pas? Après, faut le faire. Ouais. Mais s'il a déjà l'envie. Pourquoi pas? C'est ce qu'il a dit. Il nous a pas dit plus. Il nous a dit, ouais, bientôt, je sais pas quoi. Il va. Ouais, non, il a dit, ouais, il y aura un gros label qui va arriver, il a la tête. C'est ça la phrase qu'il a sortie. Bah, ouais, ouais, c'est ça. Je dis ce il a dit, il y a un gros label qui va arriver, un gros, et je serai à la tête. Il a dit ça. On verra, on lui souhaite bonne chance. Ouais, bien sûr. Il y a à manger pour tout le monde. À fond. Maintenant, comme là, en parlant de ça, là, lui, il a lâché une petite exclu. Toi, il y avait des. Genre, je suis des artistes, on a lâché des exclus. Ça dès que tu sais que là, t'es obligé. Hein. Ah, moi, bon, avec. Avec plaisir, mais faut que j'aille chercher le téléphone, qu'on se branche. Ah ouais, direct. Ouais. On peut. Presque tout. Il est gourmand. Il est gourmand. Vise la lune, t'auras les étoiles. On peut faire un medley. On peut faire un medley. Un medley. Ouais, un medley. C'est quoi un medley? Je sais pas, ça des extraits de plusieurs sons. Des extraits de plusieurs. Ouais, vas-y. Ah, ouais, c'est ça. Bouillant. Ah, je savais. Des extraits de plusieurs sons. Et même, j'ai vu le. C'est quoi là? Parce que tu m'as dit, oui, je veux manger un an. Le comment ça s'appelle là cet après-midi t'as sorti un bah, l'annonce il y a un numéro ouais c'est à dire le téléphone il est là il y a moyen aussi de le je réfléchis hein, il y a moyen de le mettre en action je sais qu'il y a la puce je l'ai jamais rentré dans le téléphone de base genre on serait juste une annonce on le met on décroche ouais vas-y c'est chaud vas-y on décroche on fait chacun des James Patrick Masterclass en galerie vas-y juste hey, t'as vu c'est le live du frérot faites pas des dingueries sur le live tu vois ouais les gars faites pas très bon oui, ouais. Là, ils vont faire. Allez pas le dire. Hein non, mais tranquille, on raccroche direct. Je vais être vif. Je sais pas pourquoi je leur ai dit. Non. Juste insultez pas les rappeurs et les trucs. On reste entre nous. Non, bonne ambiance. En tout cas, les gens ici sont. Comment on dit sont de. Bonne vibe. Bienveillants. Ils sont bienveillants. Et est-ce qu'on va passer un moment réconfortant? Ouais. Ah, je kiffe ces nouveaux. J'ai les nouveaux mots, les gars. Ouais. J'ai les nouveaux mots. Tu le connaissais, celui-là, Naskid ou pas? Évidemment, réconfortant. Ouais, réconfortant. Ouais, c'est ce qu'on. Naskid, tu connais plus combien de. Parce qu'en fait, Naskid, il y a un délire sur la chaîne où tout le monde dit que c'est un menteur. Parce qu'il dit, ouais, j'ai bossé avec un tel. Non, il bosse pas avec les gens, Naskid. Mais qui est venu là-bas. Pau oh, du mystère. Il est fort. C'est moi, jamais compris, il fait quoi. Non. T'es sérieux enfin, il fait des instruments. Mais... Ah, tu leur as dit, t'es un Twitcher, vraiment et tout. Non, il fait des instrus, mais j'ai jamais compris. Non, il est très très chaud. Il était directeur artistique déjà chez Awa pendant longtemps. Moi, je l'ai connu à la période où j'ai connu déjà Lacrim, SCH, Core, etc. Il a toujours été là, il a toujours été dans la team. Et il est très très pertinent. Merci, mon ref. Ouais. Si on le voit en Kamas et tout, c'est parce que tous ceux qui ont bossé avec lui savent que ouais, il est très pertinent. Après, fin de carrière, Twitch, hein, tu connais Twitch, canapé, ça y est. Ouais, il a dit qu'il préfère être streamer que ce qu'il a fait. C'est quoi le dernier truc sur quoi t'as bossé là? C'était le Zola. Chaco. Zola Chaco, non, Amber aussi t'as bossé dessus. Non, en vrai, non. Ouais. J'étais là en studio, mais j'ai pas bossé sur le son en vrai. Tu vois. Amber, c'est quoi, c'est Melja? Ouais. Ouais. Ouais, c'est moi les gars, il vient de dire. Fallait pas le dire. Ouais, fallait pas le dire que c'était moi. Ah, toi. Medja, parce que tu t'appelles Jamed? Non. Que je kiffais un jour, il s'appelle Carmedjani. Après j'ai mis Medjani, après j'ai mis Medja, rien ouais, à voir. Il s'appelle Mohamed, rien à voir. Mais comme t'es fou, j'ai un poteau qui fait de la moto, il s'appelle Redna, donc du coup je l'appelais Reda, mais il s'appelle pas Reda, il s'appelle Sébastien ou un truc comme ça. Ah ouais. Bon, j'ai dit, c'est Reda maintenant. Et lui, Marquinhos, rien à voir. Marquinhos, mon. Non, rien à voir. Aucun rapport. Si Marquinhos. Ouais. Dis, oh là, Marquis pour Marquinhos. Ouais, c'est ça. Et tu lui ressens. Parce que je jouais défenseur sur Club Pro. Moi, je pensais que t'appelais un délire Bismarcky. Tu vois pas c'est qui Bismarcky? Oh, voilà. Oh, c'est un gros notoire aussi. Les bars. Ah oh, ouais. Tu vois c'est qui toi Bismarcky? Non. Non.
Le chat, il voit c'est qui, Bismarcky? Franchement, je vois. Je pensais que c'était Marky dans Oggy et les cafards. Ah non, non. Ouais, ouais, pas la ref, ref US, rap US, ouais. Ouais. Alors, rap US, le clip le zin. Ouais. Comment t'as fait? J'ai répondu à une invitation. J'ai un pote à moi, il fait de la bécane avec des mecs au state et tout. Ils sont nombreux ici. Ouais. DRC et tout ça. Il s'appelle Ben Bell, je fais une grosse dédicace. Et il m'a dit, ouais, dès que ça, on va aller là-bas pour un événement truc, on va aller. Dinguerie, le clip, ouais. Il est méchant, c'est méchant, dingue. Méchant de ouf. Dinguerie. Là, je présente Blaze. Ça va, ça va, frère, ça va, tranquillement. Au calme, frère. Nickel, tout va bien. Tranquillement. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si, si, si. Non, streamer aussi. Ouais. Il dit, je t'ai ramené de... la crème du stream. Ouais. C'est comment ? Le stream organisé. Non, quoi, tranquille. En stream organisé. Les modos vont vous canaliser. Tu remixes ? Je te mixe fort, t'es fou. Très fort en impro, il le sait, Naskid. Blaise, t'écoutais du. Sadek. Johnny Nim. T'es pas obligé, hein. On a écouté ça fort. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on tractionnait dessus. On a on sur du Sadek fait des pompes, des tractions. Ah, regardez. Le son aussi avec Mick Mill et tout. On a tractionné ça, mon frère. Franchement, mon merci beaucoup. Merci à toi. Je tiens à remercier, Carl. Pour moi, voilà. T'es le meilleur freestyler à Skyrock. T'es sérieux ? On a fumé ça. Mais voilà, t'as vu là, les gens, ils pourront pas dire je mens parce que je l'ai toujours dit. Voilà. Mort, voilà, je le dis depuis. Pour moi, frère, c'est. Et les flammes, ils font quoi en fait ? Hein ? Hein ? Où c'est qu'il est mon prix d'honneur, le freestyler de Skyrock? C'est mort là. Il est où Amad de Bouscapé là? Non mais frère, les trucs, celui avec la Volvic là, dinguerie. Celui, ouais, Lil Pump, t'as traité Lil Pump? C'est fort. Ouais, c'est fort. J'ai dit, et voilà les gars, je n'ai rien regardé, tout est de ma mémoire. Non, t'es fou, c'est... Eh, c'est particulier hein, Skyrock hein, quand même. Les freestyles, les trucs, surtout avec Leto, Nino... Même il y en a un que je kiffe, tu sais pourquoi? J'ai rien à voir dedans, c'est Réminem de Rémi. Ouais. Là, les gens ont réagi, ah, même Dexa, il a. Genre, t'es en train de le regarder. Ouais, et tout, ouais, ouais, fou, ouais, c'est ouais. Génial, gros, ce qu'il a fait. Genre. Ouais. Non, mais il y a plein de trucs comme ça. Après, moi, mon Skyrock All Time à moi, parce que c'est pas moi. Mystery chemise ouverte, Super Saiyan 4. Mystery chemise ouverte, Super Saiyan 4. Vald avec les blancs fous. Avec Bifty, tout ça. Ah, c'est... Ouais, ça aussi, j'aime bien quand ça part dans fume tous les un sens. Dragon. Ouais, fume un dragon, très ouais. Fort. Jul aussi, très très fort. Ouais. Jul, quand il est avec des potes à lui derrière qui regardent dans le vide, ça y est, c'est fini, tu sais qu'on a passé un cap, ça va partir. Et Kalash Krimi aussi. J'allais dire. 10-12, ouais. Ouais. Mais pas que 10-12-14, des fois il vient, il fait des interventions Skyrock, il a toujours une de punchline, t'as peur. ASLMC aussi, il me traumatisait à l'époque. Avec Slimsy parce que c'était incroyable. Prends le game en one. Non, pas que le son. Vraiment, mais dans les freestyles Skyrock, il avait. Il débitait. Il avait traumatisé. Pour toi, rapper vite, c'est rapper bien. Qu'est-ce que ça veut dire rapper bien? Parce que rapper vite, ça montre déjà que t'as de la maîtrise. Parce que voilà, t'as déjà vu un rappeur, il vient, il lâche un freestyle, il d'un coup, il fait. Il est chaud. Mais c'est comme le truc que je disais tout à l'heure. Je sais pas si c'est un Nigérien ou quoi, là, mais la vidéo, le mec, il fait. Il a pas bien lu. Il a capté. Et toi, t'écris comment? T'écris sur téléphone, papier? Franchement, ça dépend. Non. Des fois, j'écris pas. Mais c'est quand je me lance des délires. Par exemple, on a fait un morceau avec Daomé. Lui, il fait de la plug. Plug, c'est quoi? Phrase par phrase, créer des contretemps, des trucs, etc. Et moi, je kiffe de ouf ça. C'est un truc que j'écoute beaucoup. C'est-à-dire, je l'ai fait en phrase par phrase des trucs. Mais quand j'ai vu que lui le faisait en phrase par phrase en impro, j'ai dit vas-y. On l'attend comme ça, on l'immortalise comme ça. Peu importe si j'ai dit une phrase de demeure, elle doit rester comme un petit point, je crois, il était pas écrit. Je crois que c'était un son de 5 heures du mat chez Dakhtar Emnouz. Ouais, mais non, Petit Prince, c'était quoi? Je l'ai écrit peut-être en une heure ou un truc comme ça. Je l'ai écrit super vite. Et vraiment, ouais. Mais c'est limite à la non-écriture. Parce que j'allais en cabine, change mon propriétaire, comme ça, pareil, c'est des fulgurances. Et des fois, des trucs de merde, je vais rester bloqué sur 4 heures sur un mot, un truc. Des fois, c'est incroyable. Par contre, je force pas. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais par exemple, une session avec ça, dès que ça dure combien de temps? Ça dépend ce qu'on doit faire. On doit faire un hit. Ouais, voilà. Ah, tu sais que ça peut durer 5 minutes. C'est vrai, ça. Ouais.
bon, c'est vrai que c'est trop simple ça. Non, non, quand je dis ça, un bon, un classique. Tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on l'a, on l'a tenu. On doit réveiller les genoux, sortir les tibias. Ouais, les sorties braques. Non, on réveille aucun genou déjà. Laissons les genoux. Frère, toi, tu sais pas, toi. Quand t'as sorti la phrase, qui me suivra dans ma folie si je fais la guerre à Napoli. Et vu que moi, j'étais Trix Magomora, j'étais en mode, oh la phrase de Godin. Voilà, j'étais, oh la phrase. Parce que t'as dit, Napoli, ils sont normal. Ils sont méchants. Normal. Je dis, ah ouais. Oui. Parce qu'on aime bien dire, ouais, je te suis jusqu'à la mort. Bah, ils sont là. À demain. J'ai foot. J'ai natation. Oh, ouais, j'ai javelot. Ouais, les gars, j'étais un bandeur d'Italie. Oui. Ouais, j'ai laissé pousser mes cheveux et tout. Après, quand il y a eu PNL, la vague. J'ai coupé. J'ai dit, ah, vas-y. Mais je te jure, j'avais. Alors que j'avais les cheveux harachés et tout. Je voulais rien savoir. M'en bats les couilles. Mais moi, les cheveux longs. Je suis un Italien. Et après, j'ai coupé. Gomorra, c'est trop l'attrissement. Ouais, Gomorra, c'est trop. T'as regardé Gomorra? Non, mon frère. Hein? T'as regardé Gomorra? Si, si, j'étais mal avec Chiro et tout. Ouais, j'ai, non, j'étais mal. T'es de Trixman ou pas? Vite fait. C'était bien, mais. Ah, après, il y a un truc aussi, on va pas se mentir, tu t'identifies forcément aussi. C'est-à-dire qu'un noir, il va pas s'identifier à Gomorra comme un arabe qui se ment et qui. C'est se... vrai! Un arabe tout de suite, il regarde Narcos, il regarde. Ouais, tout je dis, tiens, on a un peu le même temps. Ouais, ouais, l'arabe, t'es un peu cintre. Tu seras jamais dans un building, toi. Et alors toi tu seras jamais là-bas à Napoli en train de je sais pas quoi. À un moment je pars en couille. Bah, attention, je dis pas que j'aime moins Power. Non mais en gros, je sais pas vraiment juste de m'identifier. Tu as raison. Mais top boy, il a raison, il a dit ce Trixma. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu Trixma, tu te mets dans la peau du truc. Bien sûr. Après tu vas Trixma sur quoi? Par exemple, tu vas Trixma sur des personnages comme Tyrion. T'as capté, c'est un nain, il fait partie de l'imaginaire. Tu peux te mettre dans sa position quoi. Mais de base, c'est vrai que dans des trucs de criminalité en plus, c'est vrai que il y a un truc de bandeuse en vrai à regarder des séries de voyous. Ouais, mais c'est réel, là, c'est franchement, c'est réel. Moi, Narcos, j'étais Trixman, moi. Quoi? Narcos aussi, moi aussi. C'est vrai que moi aussi. Narcos, c'était qui? Mais c'est la Kika, moi, mon personnage. La Kika. Si, patron. Moi, tu sais, c'est qui me régale dans Narcos? C'est Rafa Quintero. Parce qu'il fait tout foiré, c'est un Mexique. Il aime trop sa bœuf. Il est dans la zip à tout berzingue. Les autres, ils sont sur des dossiers épineux. Et lui, mais ce qu'il faut gérer ses émotions. Voilà. Mon frère, c'était la Kika. Et t'as vu, comme il a fait partie du truc, il est dans des fondataires. Ils sont obligés de traîner avec lui, de gérer ses. Il est ingérable. Il le sait qu'il est ingérable. Il leur dit limite, fumez-moi. Fumez-moi. Quand il est parti. Putain, il faisait le con. Il s'est drogué, coqué. Impossible d'obtenir. Intenable. En plus, c'est le seul que tu vois en gueule de bois. Il se fait des gueules de bois et tout le matin, il se réveille, comme as, il déambule et tout. Il prend un café, il dit non, c'est pas assez fort. Il repart, il appelle un poteau, il l'embrouille, truc, c'est un ouf. Gustavo, t'as aimé? Gustavo, on aime tous, mais j'aime bien les personnages chelous, moi. Ouais. Rafa, il me fait penser à un Joker dans l'univers de Narcos. Il est instable. Gustavo, il est raisonné, il est bien. La scène quand il se fait. Alors sur la chaise là. Tiens, vous préférez Narcos Mexico ou Narcos Colombie? Mexico, il est pas mal. Mais. Non, moi, Colombie. Hein. C'est vrai que Colombie. Non, je dirais Mexico, moi. Ah ouais? Ouais, Mexico. Ouais, hein. Ouais, mais Mexico. Ouais, mais même moi, Mexico, ça me c'est bien. Ouais. Non, rien à voir. Colombie direct. Colombie direct. Direct. Colombie. Ouais, bien sûr. Narcos en mode. Colombie, frère. Mais bien sûr. Moi, j'ai fait un épisode. Parce que dès le début, t'es dedans, t'es choqué. Non. Colombie direct. Ouais. Il y a une série pas trop connue, mais KRA de ouf sur Mexicamas, vous connaissez 000? Non. Ah, oh, 000, c'est Shoda. Sur Netflix? Ouais. Non, c'est pas sur Netflix, c'est sur Canal, mais tu trouves sur tout. 000, c'est quoi? C'est des comment ça s'appelle? Les mecs qui ont des gros bateaux, là, des cargos. Pirates? Non. Hassoul, des propriétaires de cargos, tu sais, ils ont des transporteurs maritimes. Ouais. Les transporteurs maritimes, ils déplacent la zipette pour le cartel mexicain et ils font affaire avec les Siciliens à travers l'Afrique. Ils te montrent la route, comment elle est faite, comment la zipette elle part du Mexique pour remonter jusqu'en Sicile et en Europe et dans... ouais. Et c'est en carrière de ouf parce que ce qui se passe au Mexique, c'est des trucs de taré. Il y a un personnage dedans, il est taré. C'est un soldat de l'armée mexicaine, il en a marre, il veut aller faire le Sica et pour se convaincre qu'il est dans son bon droit, tout le temps il écoute la Bible. Il écoute quoi? La Bible. Okay. Il va fumer des gens, il écoute la Bible. Et ça résonne avec des trucs comme ça, moi. Ouais. Ah, c'est des vrais persos. Ouais. Perso de. Je vais la regarder. 00. 00. Ça m'a donné envie. One Piece, Miku, le bateau qui flotte. Je vends bien. Cherche le trésor. Vas-y, là. Nous, on veut ça. Il tue des gens. Voilà. Luffy, il tue des gens. Moi, je veux faire monter la zipette. Il tue des gens, Luffy.
Mais One Piece, des fois, je me dis quand même, l'autre Oda, c'est un gamin. Je sais pas, je connais pas. Je connais le, non, le fondateur. Le créateur. Ah oui. Je suis sûr, on a déjà dû lui faire des coups fourrés. Genre, tu lui ramènes un enfant, un cancéreux. Ouais, tu peux lui dire la fin qu'il a lui et tout. Dingue, il arrive comme ça. C'est déjà arrivé ça. C'est sûr. Il y a une vidéo de Soul King. Il a vu la fin. Il tremble pas. Ah, la vidéo de Soul King là. Il dit, ouais, j'ai vu la fin, je sais pas quoi. Ah oui, dit franchement c'est ça. Franchement c'est ça. On a pas encore écrit la fin. Mais moi ça déjà j'ai envie de faire un truc parce que t'as dit oui trop facilement pour les medley de faire tout parce que frère dans ton album il y a des en plus il y a des gros sons, ça se voit, il y a des gros feats. Si, toi tu veux tout nous mettre comme ça gratuitement? Moi dans la vie, il y a rien n'est gratuit. Faut un minimum de sub, Non, ça va être pour toi aujourd'hui. Non, tu crois que faire de l'argent sur ton album? Non. Je m'en fous moi, on est là pour faire du fric, c'est assez grosse. Et j'ai assez bien becté à ton tour, Marty. Voilà! J'ai assez becté, Marty. Bien mangé! Les frères, c'est simple. On est combien? On est 8K. Là, on est 8K, là. Les gars, wallah, ça, on m'a rien dit de faire. Hein. Je répète, c'est moi, je le fais de bon cœur. Parce que. Faut rendre. L'appareil, parce que là, il va nous faire écouter des exclus quand même. Les gars, le teaser, là, il est sorti sur Insta. Il est à 6K. On fait écouter que s'il a 10. T'es une caillère. Bombardez-moi ça. Dieu n'est dans la maison, les gars. Les modos, si vous pouvez mettre le lien sur Insta, vous mettez un like. On atteint les 10K. On met les exclus. Sinon, on n'écoute pas. Framponnez les likes, vous bien. Framponnez-moi ça. Je pense que c'est un échange de bons procédés. Normal. Hey, par contre, t'as une force de taper de la tête, gros. C'est flippant. Comment ça? La communauté que là, vous avez là. Elle est flippante, j'espère. Moi, je veux pas d'embrouille avec toi. Là, depuis tout à l'heure, je parle les trucs. On va revenir dans One Piece. C'est génial. Il n'y a pas de soucis. Ouais, et même sur Twitter, les gars, sur Twitter, les 5. Normal. Sur Twitter, les 5. Sur Insta, les 10, on met. Sinon, vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Moi, après, ce que j'aimerais bien, quand on leur fait écouter, c'est pas juste qu'on leur fait des avis, t'as vu, il y a un chat. On pourra mettre sur les baffes, comme ça, ça ressort vraiment le. Bah ouais, bien sûr, on fait la bonne config. Ouais. Tu peux me passer l'eau, mon refrain? Ouais, direct. Shot d'eau. Un shot d'eau. Les gars, faites le boulot, j'ai envie d'écouter, moi. Framponnez ça, faites le boulot. Denis Hymne dans la maison, ça deck. Ouais, les gars, à la santé du chat. Si. C'est le dernier. Cale ça. Là t'arrives en cours, tu te dis gars, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont refait piller avec nous. Il y a un moment, je te dis, moi je viens de dire un truc. Il y a un gars comme ça. Comme ça, t'es rien. Même si les autres ils m'ont dit que t'étais une. Mais si jamais tu te fais allumer, je mentirais si je disais que tu vas nous manquer. Je me rappellerai des soirs où ensemble on faisait les comptes et y'avait tout le temps de l'argent qui manquait. J'suis déjà foutu, j'suis rien t'apporter. J'ai vu mon âme se faire absorber. J'arrive pas fort. Ma pétale de Gucci, elle n'est pas de prêt à porter. Petit, j'ai vite appris que gentil. Rime avec ralenti qui m'en dit. Blaise, tu vas boire? C'est plus rempli de zombies que de voyous, de l'ossard, de bandits. Au milieu de tout ça, je rigolais. Révoque mes enfants et chacun leur chambre et un poney. J'ai gardé 38 jusqu'au sommet. Une rafale en une balle, je peux arracher le mollet. Mais j'ai cœur pas la fréquente tranquille. J'ai mon cheveu. Rien fait pas le repenti. Et comparé à ces gros dindons, t'es pas dénoncé les experts aux apprentis. Remettez les liens, likez la famille. Remettez les liens, les gars. Renfoulez-moi ça, les gars. Ils ont tué 5 gars. Ah ouais, les gars, encore deux cas. Framponnez. Ah ouais, normal. Eh, les gars, n'attendez pas que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse à votre place. Normalement, même les 10, on les dépasse. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte que ça deck, là, tout de suite sur Twitch, sur notre chaîne, de nous, les petits crasseux qu'on est, il va nous donner les exclus de son album, les gars. Vous êtes des fous. Un medley dedans, les gars, il y a. Ils ont vu la tracklist ou pas? J'ai même pas vu. Il y a Nino. Ouais, il y a Nino. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il va faire? Il allait le faire comme ça gratuitement. Venez, on le fait, on. Venez, on pousse l'appareil. Là, ouais, mon frère. Voilà. J'ai RT le tweet, moi, sur Twitter. Allez sur mon compte, je l'ai RT. On le met à 5K like. Même commenter, les gars, envoyez la patate. Non, c'est toi le crasseux, par contre. Non, mais quand je dis crasseux, en mode donné. Les gars, on n'est pas des journalistes, on n'est rien. C'est ça le truc. Par contre, okay. C'est une dinguerie. Que chaque. Mais frérot. C'est un truc de ouf. Ouais. De faire. Il faut le dire, tu vois. C'est un bon. C'est un truc de ouf.
Bombardez-moi ça, les frères. Bombardez-moi ça. C'est léger. Tout est bon. Les frères, on envoie la patate, on a combien là? Froponnez ça les gars, c'est léger. On a combien là les gars? 5, on stagne. Les gars, wallah, on met pas le medley si on truc. J'ai juré, on met pas. On va écouter nous dans le couloir. On écoute nous-mêmes. Gros, parce que je suis gêné, frère. Non, faut en profiter. Je suis gêné que là, il vient, il nous met gratuit. Ouais, comme ça, t'as capté, je veux rendre en mode... Il s'est dit, vas-y. Allez les gars! S'il vous plaît les gars! Putain! Peut-être ça bug, hein. Je crois que ça bug carrément. Ah, ça bug! Ah non, ça a 8K6. Ok, regarde, ça monte. Envoyez, regardez, je. Attends, comment je fais? Je l'ai mis dans ma story, ceux qui veulent y accéder rapidement. Voilà! Je l'ai mis dans ma story Insta. Mais go, les gars! Même moi, je mets mon petit commentaire. Les flammes, tu vois la classique. Normal! Les gars, froponnez ça, les gars. Ça arrive pas tous les jours. Envoyez la patate, les gars. On ça va avoir des. Pas tous les jours. Oh, j'ai honte. Attends, ferme la porte. Les gars, arrêtez de nous faire honte. Arrêtez de nous faire honte. Faut le choquer, là. Arrêtez de nous faire honte, wesh. On a pris 1000 likes, là. Les gars, sur Twitter, regardez, vous êtes juste à. C'est 5 secondes. Vous allez sur Insta, like. Vous allez sur Twitter, like. Fin. Ça prend 30 secondes. Mais en fait, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont des meufs. Non. C'est pour ça. Ouais, j'ai capté le bail, ouais. J'ai capté le délire. Il reste 1200 sur Insta. Ok. Pour faire les 10 000. Les gars, il reste 1200 sur Insta, les gars. On bombarde tout. C'est parti. Qu'est-ce que vous faites? Arrête de nous regarder. Qu'est-ce que tu veux encore là? Go sur Instagram directement, mon pote. Va faire les bails. Va faire les choses. C'est ce que ça se passe. Ça n'est que mon pote. Le frère, les gars. Ça se passe, les gars. Faites les choses, les gars. Dépêchez-vous, les gars. Arrête de nous regarder comme ça, les gars. Arrête de rigoler, les gars. C'est pas drôle, les gars. On n'est pas là pour rigoler, les gars. Faites ça vite, les gars. Ok? Normal. Balancez-moi ça. Comme ça, quand il vient, bam, directement. Le frère, oh, il montre que voilà, des VM, c'est pas des LOL. Ils sont pas là pour loler, ils sont pas là pour rigoler, les gars. Ok? Si. Parle, Blaise, faut pas qu'ils entendent ce que je vais dire. Ah ouais, normal. Voilà, les gars. Ok, les gars. Ça y est, qu'elle a, les gars. Exclusivité, les gars. Exclu. Qui dit exclu? Miel pour les oreilles. Qui dit miel pour les oreilles? Dis le truc sale là, quand que tu sors là-bas, c'est jaune. C'est jaune, master. C'est jaune ce qui va ressortir là, c'est jaune. Parce que c'est du miel là ce qui va sortir, mon pote. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es pas prêt. Psychologiquement, t'es pas prêt à ce qui va se passer. Tes oreilles ne sont pas prêtes, poteau. C'est bon, on les a, les gars. Voilà, les gars. Si. Quoi. Dika. Balancez-moi ça, les gars. Ça, tout est bon. Il manque tuteur, hein. Tuteur. Les gars, il manque tuteur. Décalé sur Twitter, les gars. Décalé sur Twitter, les gars. Faites les choses. Normal. Balancez-moi ça. On a combien, les gars? C'est bon, Insta. C'est bouclé. Ah, c'est bouclé. Allez, Twitter. On va sur Twitter, les gars. Balancez-moi ça, les gars. 5K. Ouais. C'est 5K, Twitter. Il manque 2K. Normal. Il manque 2K. Allez, like. Tac, Tac. C'est bon ça, les gars. Bordel. Les gars, c'est lui qui va nous lâcher des exclus. Tiens. Ils vont rejeter Paris, les sicarios. Toute une jeunesse propulsée dans le crime. Donnez sous bois au bordel de Rio. De moins en moins de postulants à l'usine. Y'a de la coca jusqu'en Chine. Des chrysanthèmes se déposent sur les hôtels. Des ex-barons de la ville. Parce qu'on est tous juste des êtres faits d'argile. Ma belle fait pas la maline. Les city biches, tu jalouseras les baleines. Ouais, y'a du laisser aller. Et le silicone ne peut pas tout effacer. Mets-moi un jack sans glaçon. Trahir les miens sans façon. Tiens. Nous on sourit pour l'acier. Ouais. Fritchi dans l'avion, je suis tout en haut du légal. J'essaie du tard, de guetta ma marginal, marginale, imaginale, paradoxal. Comme Francis Malin dans le sud, si ça marche pas un peu plus, j'ai déjà décidé faire des applis sur étoile. Un truc révolutionnaire qui changerait ta vie, comme se faire livrer des putes. Sur un yep, j'fais la guerre à ses plus. Sur un yep, c'est bon avec ses pecs. Dites-le-nous, tiens, je suis ton parayon. Regarde ici, à base, t'inquiète, mon pote, y'a du
qu'est-ce que tu parles de carte bleue. Les gars, Twitter, à perdre, oublié comme un terre toto. Bonsoir les filles, vous buvez quoi? Pas de photo. Enlève ta veste, garde-la, je m'en bats les couilles, c'est toi qui vois. On va passer la deuxième, c'est pas bien, ni les choquer. Qu'est-ce que vous foutez à 4 du mat, fonce dans un hôtel paumé, hein? La défonce, la descente, il déchante le buzz. J'ai pas vu un seul ange à Los Angeles. Fausse couche, la débauche, m'a tué dans l'œuf. C'est bientôt la fin, là, désolé les refs. Mes visions m'indiquent que la fin est proche. Ça c'est rapus, les modos, ça serait mettre le lien. Ah, ils sont chauds. Ah, il est impliqué, hein. J'ai pas vu un seul ange à Los Angeles. Il y a des polias qui est impliqué. Je m'en tuais dans l'œuf. C'est bientôt la fin, là, désolé les rêves, je vais me barrer. A Rio de Janeiro, appelle-moi Johnny de Janeiro. C'est parti, c'est parti. Les gars, c'est comment? Les gars, est-ce que vous avez rempli l'objectif, la mission? L'objectif. Moi, je pense qu'ils ont fait le taf. Moi, j'en suis sûr et certain. Ils ont pas fait le taf. Non, arrête. Ils ont pas fait le taf. Instagram, le taf, il est rempli. Instagram, il est rempli. Instagram, on a dépassé, voilà. On a 11. On a dépassé, on a 11. Très bien. Mais même ceux qui l'ont pas fait, les gars, encore, allez-y hein, sur Insta. Ouais, foncez. Les gars, sur Twitter. Ouais, monte-moi. Non, on a 3006. Là, vous déconnez. Les gars, une petite line. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez mal dormi? Non, non, attends. Vous avez mal dormi? On part en soirée, ça dégage. Voilà, c'est parti là, je sens chaud comme une patate. Les gars, 5K like sur Twitter, on met. Tu m'as déjà envoyé en plus. Ouais, je t'ai envoyé, ouais. Ah, je te jure, frère, que s'ils font pas, on. Là, il y a le medley, gêné là. De mettre. Ah, j'ai préparé là, un petit medley sympathique. Oh. Les gars, vous avez entendu? Balancez-moi ça, tapoter. Et en fait, vite, on écoute, les gars. Mais ouais, comme ça, on est écouté, là. On a envie d'écouter, nous aussi. En fait, tapote, en fait, frère. Bah oui. En fait, tapote. Non, non, c'est mieux que retweet. Tapote. Arrête, égoïste. Égoïste. Il vient foutre avec nous. Spoil. Les gars, tapote, en fait. 5K like. 5K like, on met. Et puis, en plus, franchement, c'est un album. Il y a des sacrés morceaux. T'as mis combien de temps à le faire? 2 mois. J'avais déjà des morceaux. Mais c'était pas ça le délire. J'ai vraiment pris 2 mois à... Ok, c'est ça l'album, je le fais. Ah, je t'avais pas vu, frère. Dès que ça, c'est rapide en studio. Tout cheese milkshake. Deux fromages et du lait agité. Ta tête, il me disait quelque chose. Non, okay, il fait quoi dans la vie? Lui, en fait, son blaze, déjà, c'est un fromage. Et c'est un double fromage avec du lait glacé et agité. Tout cheese milkshake. Tout cheese milkshake, c'est ton blaze? C'est ça, tout à fait. Oh, dos quesos. De fromage. Con leche, fromage. Frio en agitado. Et tu fais quoi dans la vie? Moi j'ai pas compris ça. Ça rigole espagnol. Deux fromages. Deux fromages. Dans l'audiovisuel. Avec du lait. Avec du lait. Glacé et agité. Tout cheese milkshake. Tout cheese, hein. Cheese milkshake. Deux fromages. Ouais. Du lait. Ouais. Tu le glaces. Tu l'agites. Ça doit être bon. Tout cheese milkshake. Sadek, la question phare. Sadek, question qui me tient à cœur. J'ai la calvitie ou pas? Te fais pas aux apparences, Sadek. Analyse bien. Ouais. Prends ton temps sur le dossier. Ne t'arrête pas aux limites. Vois plus loin. Non, je pense pas. Hein. Ah ouais? Non, je pense ah pas. Ah ouais? Eh ben, ça t'a tombé dans le panneau. Non, mais c'est vrai. Parce que j'ai regardé les coins. Les coins. Ouais, t'as vu, j'ai la river. Mais on t'a dit, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ça pousse pas des garnis. Mais bon, c'est pas. Mais ça, mais. Il va pas avoir tous les invités comme ça, je préfère. Ouais, voilà. Mais t'as pas une chaussée au moine non plus. C'est ça. Ouais. Pour l'instant, j'ai plus de gens qui ont dit que j'ai pas que j'ai. Hein. Mais là, t'es au maximum de tes capacités capillaires ou c'est. Non, j'avais les. Moi, j'ai des cheveux de base. Ouais, mais là, c'est toi qui rases ou c'est. Non, j'ai rasé une fois là. Ou t'aimerais bien que ça pousse, mais ça s'arrête là. Non, là, ça pousse. J'ai fait une boule laser il y a 2 semaines. Ok, d'accord. Pour rasoir. Et si tu laisses pousser fort, c'est quoi le résultat? C'est en gros, j'ai v'là les cheveux, mais. Tu vois, si je me coiffe mal, tu vois un petit espace. Ouais, en fait, tes cheveux ils veulent des bancs, mais voilà. T'es impuissant. J'ai des cheveux. Faut mettre les cheveux, je suis comme un grand. T'as rameté? Les cheveux, je suis impuissant. Les gars, sur Twitter, vous attendez quoi? Mais frère, ils ont pas Twitter. Ça veut pas. Ils veulent pas. Lui, il aimerait bien. Ouais. Les cheveux aussi, ils veulent bien, mais. Ils ont pas le pouvoir. Les gars, je répète, peut-être ils ont pas compris. Les gars, il manque. Non, c'est bon. Il manque 1000 likes sur le lien que les modos sont en train de mettre. J'aimerais bien. Pour qu'on mette les exclus au prochain album de Sadek. Insta, c'est bouclé. Avec les feats, les gars, Nino, tout ça. Donc, les gars, faites le boulot. C'est un like.
Je suis en train de faire J'en vois toujours pas là. Ah non, ils... Oh, les gars, je suis genre quoi la les famille gars, wesh. Comment ça balancer ça les gars. Par pitié, like. Vous y mettez pas du tout. Vous avez fait 7 likes, 7000, vous avez rajouté 7000 sur Insta. Il manque, 4 000 sur Twitter. Ok, ok, ils sont okay. À 4. Ils sont okay, à 4. Okay. Ça c'est bien, ça c'est okay. Bien, ça c'est bien. Ok, ça c'est bien. Ok, par pitié. 4100, 4100. Ok, voilà, okay. Ça j'aime. Oui. Excuse-moi, mais déjà, mais on avait dit hors taxe. Tu sais, le. 20% et la TVA. Il veut profiter. Il veut gratter de la promo, c'est qu'il y a un album qui arrive. Non. 5000, c'est 4165. Ah, les gars. Ah. Encore. Bientôt les 4200, putain, ils sont lents. 4200. Ok. T'es bien joué. Mais je vais virer toute mon équipe, c'est lui que je vais prendre. Qu'est-ce que je me prends la tête, moi. Occupe-toi de tout. Tu vas faire un planète rap. Hein. Non, pas pour celui-là. Faut les préparer à l'avance. Et comme j'étais pas sûr de pouvoir tenir mes délais, j'ai pas pris de planète rap. Mais j'aimerais bien la fin de l'année, Nick le Casino 2, comme je sais que c'est vraiment la fin de l'année. Planète rap. Mais des instruments, ma couille. Wow. Ah ouais. Mais le problème, c'est quoi? Moi, t'as vu, il me faut quelqu'un qui freestyle avec moi. Moi, je suis là. Peur, bien kiki. Peur. Peur. C'est Destro aussi, ma gueule. C'est Destro, ma gueule. Non, mais pour. C'est lourd. Non, blague à toi. Moi, je parlais d'un vrai. On peut tout faire ici, frère. On peut. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut faire une émission spéciale. Vous avez vu comment c'est un bon. Les gars, vous imaginez le truc? Vous vous rendez compte de la dinguerie? Rendez-vous compte? Mais non, mais faut réaliser. Je vais vous réaliser. Ah, en cas vous déjà, vous êtes, en cas vous déjà, tu. Ah, déjà, t'es pas loin. Bah, t'es pas loin. Mais tu sais que ça serait un concept mortel de ouf, ça, de faire des. En fait, je vais faire. Ouais. Je vais faire un planète rap là ce week-end. Ok. Où je ramenais plein de mecs de ma ville, en gros des gars que je connais avec qui qui sont passés sur la chaîne. Ok. Des mecs que par exemple, je sais pas si tu connais Rimkus. Ouais, bien sûr. Ouais, Rapisachi, ouais, bien sûr, tout bien ça. Ouais. Goulag, bien sûr, ouais. Tout ça. Et plein d'autres mecs. Et de faire en gros un enchaînement. Ça. Mais après, toi, pour un projet, on peut faire un vrai truc sérieux. On met une installation et tout est faisable. Moi, je suis chaud, moi. Moi, je suis fermé à rien. La vérité, en plus, c'est des trucs que j'aime bien. Et j'aime bien venir quand ça commence. Pas quand c'est sur la fin. Ouais, salut, on peut venir. Tu vois. Tranquille. On est là depuis le début et on est bien. Frère. Si. On va organiser un vrai truc. Faut le faire. Ouais, faut. Ça serait lourd de fou. De fou. Alors. Et puis même, tu sais quoi, il y a un truc qui est bien, c'est qu'au moins, avec Twitch, tu sais que c'est du live. Et le live, c'est. Il y a de la magie où t'as pas ailleurs. Parce que Planète Rap, c'est en différé. C'est le matin. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a plein d'émissions comme ça qui sont en différé. Tu peux plus les. Depuis le Covid, avant c'était en direct, avant le Covid. Depuis le Covid, ils ont pas remis en direct. Pas grave, remettez pas, nous on va le faire. Voilà, nous. C'est gonflé aussi pour les artistes, je pense, hein, pour les emplois du temps, les trucs. En fait, les emplois du temps et même. Ouais, on va venir 5 jours. Ils sont en retard, les retards et tout. Parce qu'il y a beaucoup de trucs. Là, ils font sur 2 jours, je crois. Il reste combien? Les gars, il reste 700 likes, les gars. Tu sais que c'est une vraie bonne idée, ça. Ouais. Parce que nous, ici, on aime trop la Zikmu, ça veut dire. C'est du obligé. En fait, c'est quoi, moi, on a eu l'idée? C'est qu'il y a un Kemé. Un jour, j'ai fait un live où j'ai ramené 10 mecs du chat. Ils se sont affrontés en mangeant des piments de fou, des trucs comme ça, pour gagner un ordi. Le dernier qui reste sur la table, il prend un ordi. Et en gros, il y a un Kemé, il est venu, en bas, il a trouvé l'adresse, il est rentré, il a dit « Ouais, moi je rappe ». Le premier truc qu'on a dit, vas-y, fais un freestyle. Après, il a fait. Et on était massif autour et tout, il y avait une petite ambiance. On s'est dit « Mais frère, on va le faire pour de vrai ». Et c'est-à-dire, et le chat, ils sont chauds. Et c'est-à-dire, c'était dans la préparation, ma frère. Faut le faire. Et c'est bien que ça vienne comme ça, en plus, à opiner sur un... Sur un bourré qui passait dans le coin. Enfin, je sais pas si c'était bourré ou pas, mais. Ça va, il était bon. Ouais. Les gars, c'est combien? On a combien, les gars? On s'en fout. Si. On pourra pas les. 4400. Non, Sadek. Ouais. Faut être. Non, ça va le faire, Sadek. Faut être méchant. Fais-nous confiance, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai capté, tu connais ton chat. Je te laisse. Ça va le faire. Je te laisse gérer ton chat. Vas-y, maman, en attendant, j'ai quand même 2-3 questions. Pour. Les filles, du coup, comment tu les as choisis, ceux-là? Je les ai payés. Ouais, logique. J'ai envoyé une intelligence artificielle, j'aurais fait croire que c'était Drake. Ils sont tous tombés dans le panneau. Parce qu'en fait, tu peux faire ça maintenant. Bien sûr. Oh là, ils sont tous tombés dans le panneau. Mais une semaine après, j'avais les pistes, c'était fini. Bah non, au feeling, Makai. Au feeling. Bah ouais. Au feeling. Incroyable. Déjà, Dahomey, la connexion entre Dahomey et moi, elle s'est faite par Tucci's Milkshake qui est derrière nous.
parce que celle-là, c'est la plus inattendue pour moi, ouais, déjà, ouais, sur le papier. C'est ouais. 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 Moi, c'est la plus inattendue. J'ai vu Daomé. Moi, j'ai vu Daomé. C'est un deck que j'ai fait ouais, fort. J'aime beaucoup. Ouais. Okay. Même Bigard. Daomé, il m'a fait découvrir, Tucci, il me fait découvrir pas mal de trucs. Et Daomé, j'ai kiffé direct et ils se connaissent avec, avec Tucci's, donc okay, on s'est présenté, j'ai kiffé le Kemet de ouf. Et ce qui est ouf, c'est quoi? C'est qu'on a enchaîné dans la même journée Bigarenx, Kaiduem et Daomé dans cet ordre-là. Okay. Donc on fait le morceau avec Biga, on le compose, il est sur Paris et tout, même chose, Tucci's qui me le présente, bonne vibe de ouf. Moi je suis sur Paris en même temps, je dis à Kai, si jamais t'es dans le coin et tout, passe ce soir, on essaye de voir un truc, on trouve le délire, on l'enchaîne. Et Daomé, à la fin, il est venu, on a fini. C'est-à-dire, en 8 heures de temps, on a fait 3 morceaux. Avec 3 artistes différents. Ah ouais, d'enchaîner. Tu veux péter la clope, pète. C'est ça, toi, le local. Non, j'aime bien laisser tourner comme ça. Ah ouais ? Telle une menace. Telle une épée de Damoclès planant sur toute la salle. Hein, je l'allume, je l'allume pas, qu'est-ce que je fais ? C'est moi. Écoute, en fait, c'est dire, il a. Des trucs très à dire, des trucs à redire, mais frère, tu. Ah non, y'a rien à dire, c'est un fromage. Ah, des choses à dire. Il est doux, il est doux. On mature encore. Là, t'es ici, t'es de Paris Neuilly-Plaisance, ouais. Pareil. Si, ah ouais. Si. C'est-à-dire c'est... les gars de la ville. Ah, enfance oui, difficile, oui. C'est le mec qui veut vendre. Casier judiciaire ou pas? Comment? Casier judiciaire? Non, ça va. Ah vas-y, okay. C'est nul. Non mais en vrai, tu repasseras. On discute bien. Et en plus, t'avais fait le truc avec Val avant, non? J'avais fait une tournée Gartato à l'époque. Ouais, bon, nous, on aime bien les gars de l'ombre, nous. Le bon et le bon à savoir un peu plus. Si, si. C'est le fort comme jamais. Ah, il a un background. Il a un background. Si, si. Les gars, il reste moins de 500 likes. Oh là là, c'est moins bon ça. 500 likes, mon c'est frère. Bon ça. Moins de 500 likes, on met les exclus. On est 8200, les gars. Les gars, c'est quand même. C'est des crevards. Incroyable. Venez tapoter. Il y a moins de gens, c'est vrai qu'il y a moins de gens qu'on Twitter. Tapote en fait. Juste Insta, ça allait vite. Insta, en fait, en fait tapote en fait. Non, bah oui. Faut plus dire retweet tapote. Tapote. En fait, juste tapote TikTok. Tapote frère. Mais ça fait trop TikTok. Mais non. Tapoter. Mais non. Envoyez des roses. C'est un délire ça en soi. Ça c'est ouais, c'est mal, c'est un mort ça. Vous préférez vendre la drogue ou faire ça? Entre deux choix. Ouais, faire ça frère. Ouais. T'es fou, je vais partir, n'inquiète. C'est tout, frère, je vais avoir froid dehors et tout. Ah ouais, j'avoue, hein. Si je dois faire un des deux. Pas forcément dehors, ça dépend ce que tu vends. Si tu vends bien, t'es invité chez le client. Ah t'as de la cahier. Bon, je t'envoie le code. Moi, je prends Flemar, moi. Dans le scam. Putain, et tu sais quoi le problème avec le scam? J'entends plein de gens qui parlent de ça, mais à chaque fois que tu leur dis, bah vas-y, montre comment tu fais. Personne. Moi, j'aurais fait ça, moi. En tout cas, j'ai jamais vu un. Après, faut travailler, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Les gars, faut travailler à l'école scammer avant. Scammer l'équipe, scammer. Voilà, pour de vrai, on rigole et tout. Là, c'est de l'humour, les frères. Pour de vrai, travaillez à l'école. Parce que sinon, vous allez niquer vos vies. Bosser, les gars. Je n'arrivais pas à scammer encore. Non, franchement, en vrai de vrai, vous allez perdre du temps parce qu'il n'y a pas de raccourci. Quoi qu'il arrive, vous allez perdre du temps parce qu'il n'y a pas de raccourci. Je vais pas te donner de conseils, Zarma, t'es venu sur Twitch pour écouter. Non, pas ou quoi, l'autre. Fais ce que tu veux que jeunesse se fasse, tu verras bien là où ça te mène. T'es un grand garçon. Bah oui, bah oui, bah oui. 400 likes. 400 les gars. 400. Frère, lâche un freestyle. 400. En fait, t'as vu lui son histoire. Balance une instruit. C'est une dinguerie. En gros, je t'explique. T'as vu dans GTA. Ouais. Incarne un personnage. RP, donc il y a des mecs qui incarnent des policiers, qui incarnent des médecins et d'autres qui incarnent des rappeurs. Ok. Et lui faisait des sons GTA. Sauf qu'il est bouillant. Et ses sons ils font des 300 000 vues, des trucs. Ça je vais te faire écouter. Ouais, fais écouter. Et la tête d'homme, t'as vu, mon ref, si je connaissais, j'aurais même pas fait le Tosmi. Je vais découvrir. Ah, c'est un bon. Ouais, je fais pas le Tosmi. Tu me connais, Nasrid, si je connais. Imagine, c'est. Ouais, voilà, c'est ça qui me fait peur. Non, mais tu sais quoi, les gars, c'est comme ça. C'est quoi de tous les invités? C'est vrai que c'est à lui à qui il faudrait. C'est vrai, parce que lui, t'as beaucoup de gens, il a eu l'œil sur eux. Bien sûr, frère. En plus d'avoir une bonne oreille, c'est. En fait, on va savoir si tu as percé ou pas là. Non, mais dès que il s'est déterminé le. Putain, on est passé de Les Flammes à Nouvelle École. Mais il voulait pas lui faire, hein. Il voulait pas. C'est-à-dire, en live, vu que là on coupe jamais le live, je l'ai pris en guet-apens. Je l'ai posé là. Je lui ai dit, t'inquiète, j'ai une surprise. Et hop, j'ai fait rentrer un mec qui veut le produire. Il lui a fait la proposition. Et lui, il s'y attendait pas. Une vraie propale et tout. C'est après, ça veut dire, lui, le lendemain, il a donné sa réponse. Propale, 6%. C'est ça, en fait, 1% pour lui. Mais même ça. Pour Death Row. Même ça, il y a un moment où t'as vu, faut être conscient. 6% à ce moment-là.
si ça peut te permettre d'aller dans un autre cap et d'avoir les moyens de développer ta musique, pourquoi pas. C'est vrai. Non, non, mais j'ai c'est un moment où t'es dans quelle valeur, tu vois. Les gars, je mets lequel. Moi, je t'aimes quoi, toi? Propose au pire. Tu vois. Moi, j'aime bien la bonne musique. Le frérot, il aime tout. Lui, il aime tout. Ah ouais, vraiment, je suis pas ouvert, hein. Ah ouais, ouais, les gars. Tu dis quoi? Tu fais ouvert la tout l'été. Je fais la classique tout l'été. Plat du pied, frérot. Tu mets Holocaust et Bibi plus tard. Voilà, je joue la classique. Holocaust et le son ouest, cousin. Ouais, son ouest. King Arv. Ça, c'était son personnage. Là, c'est réel, c'est pas un prank, c'est pas un truc parce que vous avez. Voilà, y'a pas de prank. Mais non, abuse, frère. Voilà, y'a pas de prank. Parce que Holocaust, c'est tendancieux. Hein. Non, après, c'est truc de GTA, du RP. C'est du RP. D'accord. C'est du RP. C'est qui dans le forêt? C'était tranquille. Y'a gay King H et gay King Sobe. Qu'est-ce qu'il faut? On t'a déjà dit, négo. Yo, next blast ass. Fuck les ops. Fuck les cops, négo. Gang. Tu peux monter un peu? Ouais, ça va se mettre à fond un moment. Holocaust, je débarque dans ton set, je reste fils de nec, je me vois bien dans 10 ans, dans un jet, je suis visionnaire, je veux le bis à Al Pacino, chez nous pas de ciné, j'attrape par la tignasse et son corps je vais calciner, j'allume mes sommes comme au sudoku, j'ai la corde au cou, fais mouvement, je te prends de court, la balistique va faire le tour au tournant, chante ton OG, chante ta petite vie, je vais finir en dos comme Nelson, je m'en fais comme Scofield, c'est bien petit, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, j'ai la trique, elle me suce quand j'écris, je vais me coffrer après, je suis dans un mood, pas très catholique, assez peu poétique, je veux que les cops, S.O. Watson, toi ta politique, j'suis dans le complot, c'est ma gimmick. Baltimore, 1000, j'veux descendre par milliers, développer ma technique. J'm'éloigne des traits des Freddy, j'ai le capital à Fadjo. J'ai ma ligne, mon globe, j'fais le tour de la ville en Fadjo. Technore disait renégué, j'veux la panoplie. Chez nous, pas de panolie quand j'ai j'fais un olé. Ils veulent la coke, j'vois ça vie de chalut de la kétamine. Si t'as pas compris, résumé, j'ai refait la mine. Technore disait renégué, j'veux la panoplie. Chez nous, pas de panolie quand j'fais un olé. Ils veulent la coke, j'vois ça tête de chalut de la kétamine. Si t'as pas compris, pipété, j'te refais la mine. J'suis dans la ride avec Richie, j'maîtrise les rapports. J'vois des nègres un peu comme Caro. Se jouer les rappeurs, mon nom c'est King Arv le taré. Le fédérateur, j'viens d'enterrer un copse. Il a joué le gladiateur. Père, fais-moi écouter d'autres. Si. Là, je pars dans un autre délire. J'aime pas donner un avis sur un son. Je demande à Nas, j'aime bien écouter plusieurs. La base. Sinon, c'est juste pareil pour parler. D'abord, on écoute. T'as eu le nombre de trucs? Hein? Voir le nombre de vues pour un son. C'est même pas, c'est ça. Pas... J'ai juste regardé quoi? J'ai regardé le. Combien de temps? Ouais. C'est ça que moi j'ai regardé. Nombre de vues, c'est pas ça qui va me dire si le son est bon. C'est vrai. On est pas là pour les chiffres. On est pas là pour les chiffres. Ça veut dire que les gens qui aiment bien. Mais likez quand même. Et likez sur Twitter aussi là. On est pas là pour les chiffres, disent-ils en attendant les 5000. Baby Potter m'appelait. Toujours le soudia connaît. Laisse-moi là, je suis fly. Je parle le langage de la monnaie. Dans le pinceau, j'ai pas le time. Mais donne son cul, on la connaît. Pétale calé dans ma taille. Y'a qu'à tampon, tu peux me sonner. Baby Potter veut m'appeler. Toujours le soudia connaît. Laisse-moi là, je suis fly. Je parle le langage de la monnaie. Dans le pinceau, j'ai pas le time. Mais donne son cul, on la connaît. Pétale calé à ma taille. Y'a qu'à tampon, tu peux me sonner. Une fois pesos every day. Une fois chica every night. Quand fume la qualité. Je vends ça every time. J'suis dans vrai là, j'suis dans bail. La mort est accidentale. Donc si tu veux me péter, j'suis dans ma zone tous les soirs. Mon cœur est d'or, que des efforts, y'a pas de paix. J'allume les jaunes, j'ai les épaules, les balles sont vraies. J'suis dans le quartier, j'côtoie la mort et la noche. 2h du mat, y'a une descente juste à côté. Et là faut que j'mérite. Faut que j'débite grave, toujours dans le sale. Avec mes gars, on compte le liquidage. J'suis dans sa
à l'étage, te mets dans le mal, fais pas ta victime. Y'a pas d'égalité, j'nous plus fort, deviens un vrai pirate. Parce que tu veux vider, ta kika, j'la fais foutre. Toi et moi, y'a pas d'amitié, m'appelle pas Vasco, j'ai pas quitté. Tu viens la rue, mais elle t'a quitté. On fait les fils quand il faut se barrer, on prend la fuite quand Guardia paré. C'est parce que j'dédicace la cahier. Baby, pourquoi tu veux m'appeler? Toujours sous Diakoné. Moi là j'suis flash, j'parle le langage de la monnaie. Dans le texte j'ai pas le time, elle donne son cul, on la connaît. Pétard calé à ma taille, en cas d'embrouille tu peux me sonner. Baby Bouta veut m'appeler, toujours sous Diakoné. Laisse-moi là j'suis flash, j'parle le langage de la monnaie. Dans le texte j'ai pas le time, elle donne son cul, on la connaît. Pétard calé à ma taille, en cas d'embrouille tu peux me sonner. Mets-en un petit troisième. Vas-y, je te mets une exclue. Et tout ça, c'est pas studio, parce qu'il a jamais fait studio. Attends. Mais comment il a enregistré les sons? Sur un ordi avec un micro de... Ouais, j'ai capté, ok, d'accord. Je me dis pas studio. Enfin, studio, en gros, les sessions, quoi. Ouais, j'ai capté, attends. Ok. Il est où, Don Juma? Comment je peux le trouver? C'est sur le PC. Ah ouais? Sur le bureau. C'est quoi ce dossier, là, DMV, plan secret pour... contrôler la truc transfert. Attends. Fallait pas... T'es sûr il est là ou... Il est pas... Celui qu'on a fait là ou le premier, le tout premier? Attends. Et là. Bien oui. Ça c'est récent celui-là? Celui-là récent à mort. Récent à mort. Ce son il a validé? Il est là Soso? Ouais, il est dans le chat. Aïe 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 Soso, grosse dédicace mon ref, on est ensemble. Pas Soso. Attends, pourquoi le son il est bas? Attends. Ouais, il est bas. Pourquoi il est bas? Mets-le sur Clickify. Ouais. Et pause. Ouais. Télécharge-le, ouvre-le et mets-le dans le lecteur. Ouais, bien riche. C'est plus fort là? Et va dans le mélangeur et augmente le volume. Ouais, ça va fond. Mais non, continue à liker sur Twitter, les gars, c'est important! Ah, t'as pas le. Pas. Ouais, tu peux pas le monter là plus fort. Bravo. On peut trouver la vie de rêve avec deux iPhones et un laptop. Tous les jours soupirant, le cerveau en devient faute. Le moteur fait trembler ma tête dans le gamma. Je me rappelle à l'époque, je voulais le bras, ça va la rame. Que je donne l'air, j'ai pas le temps pour t'expliquer la vie. J'ai pas de table, on est bien la mif, il suffit de couilles et de crans. Je mélange la crée et le sang. Ça, c'est pas un son GTA, ça. Je regarde sur la baiser dans le fumoir. Je travaille sur les ailes et j'en ressens comme dans le Duma. Je retrouve le sourire après le vendredi ou Duma. Faut que ça passe sur les zones, que t'écoutes ça pendant des mois. J'ai bien appris la leçon, un peu trop sûr de moi. Je prends même pour la peine, m'examine devant le miroir. Le mensonge a fait deuil, la vérité dans le tiroir. Je compose dans le noir, c'est ce qui stimule ma mémoire. Le jour elle est sur TikTok, le soir c'est mon lifan. J'avais le syndic, je suis la tempête avant le calme. 9 de 4 ans, c'est là que j'ai vu mon premier night. Les jours face à face, ça peut même t'appeler ta femme. J'aime pas trop les fans, ici on adore qu'un seul lettre. Je suis dans toutes sortes de textes, mais sur le pull y'a les trois lettres. La veine, je cache devant le micro, ça fait sortir mon mal-être. Ça fait bien longtemps que j'ai pas reçu une de tes lettres. Il y a encore après. C'est fini. Pourquoi je voulais en écouter 3? Parce que sur 1, tu peux pas truc. Moi déjà ce que je vois, c'est que t'as une bonne empreinte vocale. Vraiment, t'as une bonne voix. J'aime bien quand tu pars dans les mélos, comme sur la fin du premier et sur le deuxième. J'aime bien aussi quand tu prends les espèces d'accents là aussi. Je trouve que ça rajoute un délire. Après, je vois ce que tu veux dire quand c'est pas en studio ou quoi. Parce que t'as vu quand je dis il a une bonne voix aussi. Son genre de voix, lui, elle va être bien traitée, tu sais, quand tu vas... Il dort, hein, Nasquid, le bâtard. Réveillez-moi-le. Réveille-toi. Mais du coup, ouais. Merci. Bref, c'est pas grave. Je te disais, t'as vu, avec sa voix à lui, t'as vu, quand ça passe bien dans les machines aussi, ça va bien mixer le truc et tout, ça rapporte quelque chose. Après, je pense, si t'as une communauté, fonce, exploite. Voilà. Exploite. Mais qu'est-ce qui te bloque là en fait? Non, là c'est bon là. Ouais. Il a accepté. Là il est carré. Après,
Après, moi, j'ai pas vu le truc de. En fait, lui, j'ai entendu un moment, il m'a dit quoi, ça c'est pas un son GTA sur le dernier. C'est-à-dire, les autres, tu les adaptes sur des vidéos GTA et trucs, etc. Par rapport à des personnages, tu vois, parce que c'est de l'incarnation un peu. Ok. Que, tu vois, ouais, ouais. Donc, lui, là, les gars, là, je l'ai envoyé, il arrive dans 17 ouais, mais, minutes. Ouais, mais ça, c'est comme ça que t'as fait, entre guillemets, ta communauté. Ouais. Mais si, si jamais ça marche, parce que t'es fort, tu le fais demain, c'est pété, tu vois. Mais moi, je pense que le plus dur, c'est d'avoir une communauté. C'est-à-dire, si t'en as une, fonce. Fonce. Bien vu, en tout cas. Non, t'es fou. Mais il y a quelque chose ou pas ? Il y a du bif à se faire. Il y a toujours du bif à faire. Non, mais est-ce qu'il va marcher ? Est-ce qu'il y a, il peut péter ? Oh, ça, ça dépend de lui après ça. Non, mais là, est-ce qu'il y a du talent ? Ouais, il y a du talent. Il y a du talent, mais ça dépend après lui comment il enclenche. Et des fois, c'est pas une question de. C'est ça aussi, il faut comprendre. C'est pas une question de talent, il faut savoir faire la musique aussi. Un mec comme P. Diddy, gros, je le trouve beaucoup moins talentueux que plein d'artistes. Tu dis, ah, rappeur de ouf à la Rakim ou quoi. Je préfère la scène de P. Diddy que celle de Rakim. Si tu veux manger. Et tout cheese. T'as kiffé ? Ouais, j'ai kiffé. Si, ouais. Surtout la dernière, là, c'est totalement mon délire. Mais tu sais quoi, c'est sur ça qu'il va partir. Eh, blague à part, sur la tête de Maras, branchez-vous, parce que t'as vu, studio, on parle en l'eau, ça. Hein. Mm. Studio par Rush, équipe bien technique, bon centre de formation, c'est, voilà. C'est ouais. Ça qui va se faire. Voilà. Dès là, si t'as kiffé ça. Les meilleurs, on peut pas les faire écouter. Mmh. Des fois, il me fait écouter des trucs. Lui, il vient me dire, ouais, ça c'est de la Jersey, ça c'est de la. Je dis, ouais, ça c'est de l'Oklahoma. C'est, ouais. C'est lourd. Les gars, est-ce qu'on a atteint les likes ? Est-ce qu'on a atteint les likes ? J'ai envie d'écouter, moi, les medley. Ça y est. On a 4800, frère. Alors, encore 200, les gars, s'il les vous gars, plaît. 200 likes, on y va, les gars, on bombarde, les gars. Je me casse, moi. En plus, il y a Naskid qui dort. Ça y est, je me sens plus dans une safe place. J'étais en nuit blanche hier, genre. Il était en soirée, quoi. Ouais, tu connais ma vie, mec. Il fait pas de soirée, lui. Il fait. Merci. Il fait des nuits blanches. Voilà. T'es un bosseur ? Ouais, tête de homme. Quoi ? Lui, il m'a vu dormir au studio. Et fou, j'aimerais, depuis que je le connais, un jour, j'ouvre une porte, je le vois avec des. Tu vois ? Ouais. Racli, truc. Jamais. Moi, en ce moment, il bosse, les Racli. Il bosse, les Racli, en ce moment. Hein ? Et il dit pas ça. Ah ouais? Ah, tu m'as pas envoyé au boîte. Oh, ça pourrait être bien ça. Télé-réalité, compositeur qui cherche l'amour. Si, si. C'est un bon concept ça. Ah, ça peut être un concept. On va faire ça. Avec ouais, bah ouais. Meuf qui tombe amoureux de ce qu'elle écoute. Je sais pas rien. S'il y a du fric, s'il y a des annonceurs, on voit, hein, Marquis. Hein. Ouais. On développe. Attends, je suis en train de télécharger le truc. Ok, 70 likes là, on me dit là. 70 likes. Ouais, ah ouais, à l'oreillette. Like. 60 carrément. Peut-être faut mettre ok. C'est quasi bouclé. Là, c'est quasi bouclé, les gars. Allez, on termine. On est dans le finish là, carrément. Dans le finish, les gars. Les gars. Aïe. 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 Déjà, c'est sombre. Les gars, likez là. Allez, les gars. Il reste 28 likes. 28. Celui-là, 28. Il vaut... Les gars, 28 likes. Les gars, 28 likes. 28 likes. Celui-là, il vaut le tapotage. Ouh là là. 15. Les gars, tapotez, 15. Tapotez, les gars. Je mets direct un. Bon d'ordre. Ah, celui-là, il vaut le tapotage. C'est bon. Je crois que c'est géré. C'est bon. C'est géré. C'est géré, les gars. Ok. Ah, gros, il y a de la nouveauté. Nardo. For my bank up, coffee bulldog, Mr. Tuzo, alhamdulillah, always bang up. Now I'm trapped up, sapper raindrop. Personne ne sort de chez toi si j'y vois un bang up. J'suis jamais un moonwalk, j'sume la moonrock. Rat a good luck, j'maîtrise tous les hot dogs. Tape ton footwork, ou ouvre un food truck. J'ai la meilleure cocaïne, tous les good blood. Je repense à ma vie d'avant, un cocktail sous paravent. Je regarde danser les poissons, je m'inquiète mon bébé. Fais doucement sur la boisson, il pourra rien faire baver. Moi je peux toi que des poissons. Va tout cœur, c'est l'univers, c'est une planète. On va faire chanter oulala, oh là là, oh là là. Ah c'est lourd. Ouvert tout l'été ma couille. Ah ouais. On va faire chanter oulala, oh là là, oh là là. Kai Duem, Kai Duem sur Dubai les fuck. Tout ce qu'il faut dans le ghetto, Père Noël, tout en quelle joie, j'ai des balles de gomme comme Calou. Plein de vie, plein de temps, pensez qu'on bat du double.
plus gros pour ça. Je remercie d'avoir un saut pour les petits coca. Or quand il fait qu'elle dit pas qu'il fait pas. Un Non, j'étais organisé comme un doyen. J'avais où finir la nuit à minuit moins 20. Je veux des bureaux remplis de neurones et de jardins. Et des plantes à 10 000 euros dans le jardin. On baisse la tête, les oligarques, les 8 étages de parking. Comparé pas Hamilton aux pilotes de karting. Quelques notions d'acting, plus éloquent Jack Lang. Dans le froid, la bague bang et la justice n'a pas de string. Je ne te comprends pas. Je suis Nelson Montfort que Nelson Mandela. Bigarinks. Bigarinks, ouais. Cocktail avec les umbrellas. Je suis rentré de la plage. Pas du boulot, je vais planter des. C'est le souris. Attends, continue le chat ou c'est comment, ouais? Ah, je me dévoile. C'est chaud ou pas, les gars? Je m'offre à vous. C'est chaud ou pas, les gars? On continue, on arrête. Dans la maison. Hein? Là, c'est chaud. On met une pièce dans le chapeau ou je quitte la station de métro, c'est comment? C'est chaud! Très très chaud! C'est méchant. Mais ouais! T'as capté un peu le concept, comment j'ai voulu l'emmener de. J'ai voulu un fourre-tout, un homme orchestre. Je voulais faire une pochette de base, en, tu vois, en homme orchestre, en accordéon et trucs, etc. Après, je me suis dit, ah, calme-toi. Eh, ça a été compliqué de revenir, viens pas tout gâcher, t'as des équipes. t'as des gens autour de toi, il y a de la gamelle, fais pas le con. Pas cette fois. Non, on continue là, le chat ou quoi? Les gars, c'est comment, on continue? On continue ou pas, les gars? Ils sont chauds. Il y a encore de la dinguerie, les gars. Ils sont chauds patates. Il y a encore des trucs sympas. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, cet album. Ça se voit. Pas des couteaux, être au bout du monde. Pas du rouleau, pour les gangsters. Demande à Coulio. On l'a fait. Il pose une phrase, pose une phrase. En impro, incroyable. Pas besoin de talk a lot. Mini rock sur tout ton bloc. Celui-là c'est mon préféré. Ah, j'ai fait des morceaux pour ma femme aussi, les gars. Normal. Ah, désolé, les gars. Du côté lover. Ah, je vais pas les clipper, je pense pas qu'ils marcheront. Mais au moins, c'est pour elle. Chez moi, poto, je suis ému. Quand je tombe en décroché du PMU, les conduits de chez nous, ils sont plus de bécénés. Ils voient rien, c'est rené, ils viennent que quand ça brille. Bisous aux anciens qui nous ont conseillé. Appris à voler sans apprendre à aimer. Ça fait des doigts putes recouverts de haine. Et des bons gars qui finissent en psychiatrie. Orbite hors scène, puis à loi. La voix avec une schneck à loi. Ces chiens ne mourront pas à dîner. Ou pas de lettres au site, ça moi. J'ai fait TP pour voir la plage. Je me mets en bleu, ça apaise mon esprit. Je crois on le tient, hein. Oh. Aïe, on le tient. Inch'Allah, avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, je t'en mets un. S'il y en a un, je t'en mets un. Ça sent le disque. Bon, Inch'Allah, sent le disque. Ah ouais? Mais moi, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf. Ah, je vous ai mis des jingles, hein. Ouais, de la ultra, merci. C'est 10 000 à aider la passe pour les timbres. Ah, mais Péribat et Tienne. Elle met pas sa gueule dans les clips. Elle met ses pieds dans les suites. C'est 10 000 à aider la passe. 70 000 dollars le drip, big drip. For sure.
drip, big drip. Big drip. Elle a du en succédé. Norme. Big drip. Dinguerie. Là, il m'a mis au drip là. Ah, c'est là une grosse claque. Ouais. Tu sens déjà que ça va être chaud. Ah, ça fait plaisir. Vraiment, les gars, pas pour le live ou quoi. Non, on voilà, mon frère, comme Twitter. Voilà. Je t'en regardais en même temps. Ah ouais voilà, Twitter. Pour de vrai, parce que pour culture de vrai. Et tout, ils ont déjà riposté et tout. Mon seigneur, j'ai regardé les commentaires et tout, même les gens. Les RT, ouais. Dans RT Cité et tout. Non, frère, dinguerie. Non, là, mon ref, ça tue. Là. Tu sais quoi, je sens l'énergie. Après, j'étais pas dans le studio, mais ça me rappelle l'énergie des VRDL, tu vois. Ouais, je vais pisser deux spies, j'ai pas compris. Je reviens pas avec une dinguerie, me fais pas une. Non. Elle serait cramée celle-là. De gros couerts, les gars, ouais. Encore. Mais... De gros couerts d'hommes cette fois. Non, mais là, ça se voit. Ça... Pour Marquis et moi. Pour Marquis. Bon, j'ai toi, c'est toi, t'es pansexuel, toi, ça se voit. Non. Ouais, on respecte tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Ah, on met les chasubles. Voilà. Que chacun mette son chasuble. Ouais. Vous voulez des primes de match, vous mettez les chasubles. Je suis mort. Ah, parce que c'est vrai que c'est l'énergie. C'est pour ça que je voulais te couper dessus, parce qu'on est rentré dans l'émotion ouais. De VRDL. Non, mais... en vrai, c'est un peu le plan que t'avais. Bah, c'était pareil il y a 2-3 mois, mm-hmm. Je me rappelle. Et c'était après l'album d'avant, Changement Propriétaire. Ouais, c'est ça. Et tu m'avais dit, bon là, je reviens avec toi, du rap. Bon là, faut des hits aussi. Là, je reviens avec un projet très très vite. C'est ce que tu m'avais dit, tu vois. En fait, c'est quoi ? J'avais déjà des morceaux que je me disais, ils n'ont pas la place dans Changement Propriétaire, parce qu'ils n'ont pas la cohérence pour que je les mette en avant. Et je voulais vraiment faire un truc pour les rescapés, les gens qui me suivent après tout ce qui s'est passé. Ouais. C'est pour ça que je voulais vraiment un album qui leur corresponde à eux. Changement de propriétaire, c'est. Je suis content parce qu'aujourd'hui c'est un succès d'estime, il y a plein de gens qui aiment beaucoup l'album et tout. Mais il y a un moment où je me dis, c'est pas que ça que je sais faire, c'est pas que ça que j'aime faire et c'est pas que ça qu'on aime de moi. Donc il fallait que je trouve le format pour pouvoir aussi faire kiffer ceux qui avaient d'avant dans la version nuit et ceux en même temps de tu sais qui aiment bien écouter mes morceaux comme Madre Mia, Andale, Bep Bep. Et moi j'ai toujours été un mec festif, tu vois. Bon, pas cas, faire du rap thérapie tout le temps, c'est. Voilà, très très. Franchement, voilà, je dis pas ça pour sucer, voilà, il est très très chaud. C'est très chaud. Ça fait plaisir. C'est ça. T'as cramé les petites jingles que je vous ai mis dedans, c'est spécial pour vous. Non, en fait, c'est James Patrick Masterclass Radio. Moi, ça faisait longtemps, un medley m'avait. Mais tu sais, quand tu m'as dit medley, je m'attendais à l'album, tu mets stop, t'avais un vrai medley en fait préparé. Ouais, bah oui. Ah ouais, tu croyais qu'on allait galérer. Non, je croyais que t'avais fait en sauvage. Je croyais que t'avais l'album et que tu mettais pause. On se professionnalise, ma couille, on a. Ouais, j'ai capté, c'est le. Okay. Ça vous a plu ou quoi, les gars? Et il y a un mec qui a dit, il m'a choqué. Ouais, bon. Ah, ouais, carrément, ça a dit que t'en Twitter. Mais non, ouais, déjà. Tu nous as respecté, ça, Sadek. Franchement, ça fait plaisir, l'équipe. Merci à vous d'avoir joué le jeu. C'est très, très, très sérieux. En fait, il y en a pour tous les goûts. Tu vois, c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Bah, tu sais quoi, en fait, j'ai remarqué aussi un truc. Est-ce que maintenant, à part les gros projets qu'on attend tous comme des blockbusters, dans les projets d'artistes comme moi, par exemple, que tu vas écouter de temps en temps ou truc, tu vas piocher un morceau ou deux. Tu vois, il y a un moment aussi où t'as vu, faut pas se mentir, j'aimerais bien y être dans cette place de t'as vu, je sors un album, c'est un blockbuster et tout, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, ou peut-être qu'on n'y sera jamais. Mais dans ma place à moi, deux, j'ai envie, t'as vu, que rentrer un peu dans les playlists de tout le monde en fonction des goûts. Mais en faisant ce que j'aime moi. Je peux pas, t'as vu, il y a un truc par exemple, pour moi, un moment, faire de la drill, c'était faire de la zumba. Tout le monde fait de la drill, donc tu vas faire de la drill. Mais tu fais de la drill parce que ça marche, tu fais pas ça parce que t'aimes ça. Donc c'est une démarche zumbesque. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi j'ai toujours kiffé faire des morceaux festifs, des trucs. Je suis même cramé à faire un projet brésilien. Ça va les gars, s'il y en a un qui peut déborder. J'avoue. Hein, ah ouais, t'es fou. Très chaud. Ah, ça fait plaisir. Franchement, je suis content des retours. C'est quoi que tu balances là? Tu sais? Ouais. T'as clippé? Ouais, j'ai clippé. C'est quoi le premier morceau que je vous ai fait écouter? Vous avez kiffé mon couplet le premier? Ouais, est-ce que vous rappelez? Le tout premier, ouais, okay. Il m'a mis dedans direct. Est-ce que tu sais que je me suis fait éteindre? Tu sais ce que ça veut dire, extinction des feux? Une extinction des feux tellement belle que t'as vu que si tu te la manges dans un sport de combat, t'es content, tu te dis, ah ouais, c'est ça le niveau d'un champion. Nordo, rappeur tunisien, gros, t'as vu, tu sais cette sensation quand tu reçois un couplet et tu dis, ah non, c'est trop. Tu dis, mais j'ai même pas pensé à faire ce que t'as fait. En mélo, truc, tu vois, en plus, moi, je comprends tout ce qu'il dit. En phase, alhamdoulilah, vous comprenez pas, comme ça, il y a encore le bénéfice du doute. Mais dans tous les coins. Ah, il a éteint la lumière. Ouais, il a éteint la lumière. Il a tellement éteint la lumière que j'ai dit, tu sais quoi,
si à mon petit prisme à moi, ça peut permettre de montrer autre chose du bled que t'as vu, on va penser quand tu vas penser à un artiste, ouais. On va tout le temps sortir le folklore, mais qui fait partie aussi de nous, de notre culture, et c'est important de le mettre en avant. Mais c'est pas que ça, ils ont une culture trap, drip, truc, c'est. Ça, c'est ouf parce c'est que trop. Toi, en fait, c'est pas un petit client quand même, tu vois, si tu dis ça, c'est vraiment c'est chaud. Ah non, c'est une extinction. Ah ouais, c'est extrêmement. Je suis chaud de l'écouter hors hosting. Ah ouais, ouais, non, mais tu vas. Je suis très curieux. Gros, même nous, on se l'écoute sur le téléphone comme ça. C'est... Nordo, il s'appelle. Nordo, ouais. Nordo est très très talentueux. Non, je connais pas, je vais pas faire mytho. C'est ce qui est ouf avec eux, tu vois. C'est pour ça que quand je te dis par exemple que je te connais à Poit, imagine-toi, tu connais pas lui, il fait 180 millions de vues sur YouTube. Quoi ? Ouais. Par track. Ouais, mais le bled YouTube, il y a pas Spotify. Donc tous ces YouTube. Ils ont maintenant. Ils ont maintenant. Ouais, mais ils ont grosse résonance sur le monde arabe. Ouais. De ouf. Ouais, ouais, tu vois. Ouais. Comme nous, on a la francophonie, comme eux, ils ont le monde arabe. Bien de sûr, ouf, ouais. De ouf, de ouf. On va se mettre un son quand même. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Nordo, très très fort. Nordo, très très fort. Même, tu sais quoi, un plaisir de ouf de Kaiju M de l'avoir sur de la funk brésilienne. C'est un artiste que je kiffe et truc, tu vois. C'est vrai que Kaiju M, tu l'attends pas forcément sur le. Après, truc, c'est de la bailée, mais sombre, tu vois. Ouais, ça reste sombre. Mais c'est pas son truc de prédiction. Ah non. Et même, tu sais quoi, même dans la réal et tout. Hein. Allez voir l'équipe, hein, allez cliquer hein, sur Nordo, allez découvrir, voilà, c'est très très fort. Mais t'as vu, dans la réal et tout, c'est pas. On a trop un problème avec le mot blédard. Quand t'entends blédard, t'entends un truc qui. Comme pour moi, c'est un bon le casino. Voilà, je te le mets. Il est grave ému. De quoi voilà, je te mets. Faux. Là, je le mets là. Vas-y, c'est reprends fort. Ton disque. Ouais, non, t'es fou. Ah oui. Non, t'es fou, on a travaillé sur celui-là. Ouais, bah oui, non, mais là, t'es fou, on a travaillé sur celui-là. Ah, oui, on a skip. Ouais. Il est beau comme ça en diamant. Tu l'as ramené ici à Flétin. Hein. C'est un bon, c'est un ouais, bon. Ouais, bien sûr. C'est la famille. Bien sûr. Ah, non, t'es fou, mais fais-toi, ouais. Bah oui, une déco direct. Oh, un casino, ouais, direct. Ah, méchant. Tu connaissais toi, Nordo ? Ouais. Oh, ah ouais ? Je connais quelle origine, toi ? Algérien. En Algérie, c'est qui pète en ce moment ? Flen. Ouais, Flen, je connais, ouais. Tu connais ? Ouais, ouais. Très fort. Hein. Ouais, très très chaud, ouais. Je sais pas pourquoi il fit pas avec des Français et tout. Je pense que c'est comme El Grande Toto. Une fois qu'il commence le cap, ça y est, ils enchaînent, tu vois. Il fait des millions de vues depuis, lui. Hein. Ouais, de ouf. De ouf. Il vient à Marseille. Nous, il y a qui aussi au bled qui fait des millions, même, je crois, presque milliards ? Balti. Ouais. Balti, il a un son bled de ouf. Après, il y a aussi un mec, Samara. Samara, Sandfara. Il y en a plein. Moi, il y a aussi Alec, j'aime bien. ALA, très très fort. Il y en a plein des rappeurs du bled. Djinn Canon 16. Le feat avec Mister U, là, pas longtemps. Djinn Canon 16. T'as de base, il était marrant. Heureusement, j'ai. Le karaté, il a. Moi, qui de l'observation, j'ai. Parce qu'il y a Hawari Dauphin aussi qui a rien à voir, mais ouais. En blaze original. Franchement, il y a aussi. Tanier, tu connais Tanier ? Tanier, non. Dingue, tu as choqué de l'histoire. Tanier, c'est un Camerounais qui a immigré au Maroc. Ok. Et il a pété au Maroc. Il fait des Show. Millions de vues, mais il est pas marocain, il rappe en marocain. Si. Il rappe en rebeu. Chaud, tu regardes, tu dis, c'est un marocain du Sahara. Mais il a grandi au Maroc. Oui, il a grandi, bah, je pense. Parce qu'il rappe. C'est que les Renault au Maroc, ils adoptent grave vite la langue. Ouais, ouais. Mais il y a des Noirs au Maghreb. Ouais, bien sûr. En Tunisie, il y a grave des Noirs. Si. Maroc aussi, je sais qu'il y a des Noirs subsahariens. Ouais. Truc. En Algérie, ouais. Je sais pas, je suis pas trop renseigné. Il y en a, mais beaucoup, non, moins, beaucoup, beaucoup moins. De quoi ? Dans le Sahara, après. Ah, dans les villes et tout, il y en a moins, mais il y en a. Mm. Mais. Après, il y a qui d'autre ? On a tout dit. Hein. Après, il y en a plein. Il y a un mec balèze, là, un peu, là, musclé. J'ai oublié son blaze. Il y en a plein. Après, un Tiff aussi, je sais pas si tu vois. Tiff, ouais. Mais Tiff, ça y est, il rappe en français maintenant. Ouais, Tiff, ouais. Il habite ici. Ouais. Mais Tiff, il est très très fort. Hein. Très fort de fou. Mm. Ouais, ils ont des trucs à proposer. Et même sur album, rien à voir. T'as vu le Chucha, Tcha, Chucha qu'on a kiffé là. C'est une meuf, gros, que j'ai découvert à Vista dans le studio. Et meuf énergie de ouf. T'as vu vraiment comme on se rencontre là. Et gros, je suis en train de galérer sur un. J'ai mon couplet, mon truc. Non, j'ai pas le refrain. Et elle, t'as vu, entre deux couloirs, elle passe. Le refrain, il passe.
Vas-y, viens, viens. On peut parler ? Je la connaissais déjà et tout, tu vois, je l'apprécie, j'aime bien ce qu'elle fait en musique et tout. En gros, elle m'a cartonné le truc direct, j'ai dit ah non, c'est pas possible de faire autrement. Moi, des fois, c'est pas que les blazes, les trucs, ou tu vois, ou l'entourage, tu te dis ah tiens, je dois faire le morceau avec le poteau parce que c'est le poteau. C'est vraiment aussi la musique, ça parle beaucoup. Hein. Mais qui tu aimes ? Comme je t'ai dit, je vais faire un son comme ça, parce que moi, dès que j'ai vu son blaze, je me suis dit non, c'est un son vénère. Je m'entendais à une grosse drill. Ouais, ouais, ouais. En fait, on en avait déjà commencé un, mais il était trop méchant. Et des fois, t'écris des trucs, tu te dis. J'avais écrit une phrase, parce que moi, j'ai du mal avec les ballons, en fait, de ouf. Ouais. Parce que le ballon, ça. C'est le truc de Zarma, t'as vu, t'as réussi avec ce qu'il a Bédave, t'as réussi avec ce qu'il Colal. Ça, c'est pas encore labellisé schlag. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai de vrai, dans les conséquences, dans les dégâts que ça peut faire, ça te schlagise de fou. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, je voulais taper dessus fort. Parce que je veux dire, créer une culpabilité de le labelliser schlag. À un moment, je dis quoi dans le son? Je dis, j'ai le canon pour me défendre, il y a le salon pour te détendre. Tu fais des ballons gros fils de pute. Tu fais des ballons gros fils de peintre, je te souhaite de perdre l'usage de tes jambes. Mais c'était avant que des gens ils commencent à perdre l'usage de leurs jambes, de leurs ballons, de trucs. Je dis, ah ouais, elle est hard celle-là. Voilà, c'est de côté, du coup, j'avais plus d'amour pour ce morceau. Mais j'avais. Je m'as regardé, on dirait que j'ai pris des ballons. Et du coup, on est reparti chercher notre truc. Somané, c'est ça. Ah, il en sort. Quand tu peux aller bosser, braquer, vendre et voler. Rejoindre Orange de Sativa. Mon humeur dépend de la salope qui va me satisfaire. Satisfaire toute la map, le panisphère. Mon VPN est en Chine dans la cave, à mon aspère.